Bonjour YouTube! Voilà, Bonjour YouTube. ça y est, c'est le moment où on dit bonjour. Aujourd'hui, la suite de Ratchet et Clank. Vous pourrez remarquer que Ratchet joue aux jeux vidéo. Il joue à son Il est propre très jeu mauvais, vidéo. Bah là, ça va. hein. Je vais sauter. Ah, bon, il s'implique là. Il s'implique à un point là. Attention, il va monter et il va sauter dans le vide. Oh le mauvais! Putain, on dirait les vidéos de gameplay de TOTK là. Ah ouais, mais là ça va, on sera pas claim. Ouf, Ah pas bah bien. oui. Donc la dernière fois, nous étions arrivés à la planète Notak et nous nous sommes encore une fois fait devancer par le voleur. Ce Qui maudit part quand on voleur, s'en vient, quoi. voilà, qui part quand on arrive. Mais on va quand même explorer la planète pour savoir où est-ce qu'il est allé. Je pense qu'on va pas tarder à trouver sa piste, hein. Je pense qu'on a une ou deux planètes Ouais, c'est ça, je pense que c'est la prochaine. de pouvoir le trouver. Ouais, il me semble que c'est la prochaine. Mais cette planète, j'ai un peu de mal, je t'avoue, moi. Ouais, bah moi il faut que... Attends, qu'est-ce que je n'ai pas amélioré encore? Ça porte pas très haut dans mon cœur. Faut que je vois qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui n'est pas amélioré. Est-ce que j'ai des armes à acheter? Ah oui, mais ça coûtait 65 000, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il faut J'avais qu'on oublié. se rappelle du jeu. Comment on joue aux jeux vidéo déjà? Mais je crois au début, on n'a pas le choix sur le chemin à prendre. Bon, là en tout cas, je suis allé à un endroit spécifique. Ouais. Mais le jeu de mémoire, il te force à vraiment faire tous les chemins des anciennes planètes pour avoir tout ce qui est gadget et tout. T'en as pas le choix là. Mais genre assez tôt dans le jeu. Oh, ça lag comme il faut en tout cas. C'est vrai que c'est pas du 60 FPS. J'ai l'impression qu'il est lourd là. Pas vite. Oh, ça marche bien le gant à tourelle, j'avais oublié. Ah, tu vois la planète qui tourne là? Planète qui tourne. Ouais, en plein milieu. Ouais. La casser. La casser? Ouais. Je la casse comment, moi? Bah, en tirant dessus. Ça prend beaucoup de munitions. Bah, je casse déjà tout ce qu'il y a autour, hein, si vous voulez. Je pense qu'à autour, ça sert à rien. Ok, c'est bon. Non? Ah si. Voilà, c'est un point de comp. D'accord. C'est un peu comme tu es quark dans le 1 là. Ah bah mon armée est améliorée, bon bah. Ah merde! Canon là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Ah oui! Oh là 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 là! Le Planet Buster quoi! Ah oui, ça donne du pognon! Ouais, j'ai pas fait attention. Effectivement, j'ai gagné pas mal d'argent. Bon, je suis en train de. Oh! Oh, j'ai cru que j'avais. Ah, je me suis fait. Attends, je me suis fait toucher par la statue qui s'est écrasée! Bah bon, je savais pas qu'on pouvait. Ah oh oui, oh, ça fait mal, oh, c'est douloureux. Ah, cette arme elle est vraiment efficace là. Le Seeker Gun là. Le Seeker. Ah, je l'aime beaucoup. Je l'ai même pas prise. Ça coûte pas cher. Mais je suis l'économe. C'est vrai. C'est vous ça. C'est vrai. À ma banque, il y a un forfait qui s'appelle l'économe. Ce n'est pas mon forfait pourtant. Ah Comme mince quoi. alors. Comme quoi ça va. Comme quoi ça va. Il y a une petite musique là. Petite ambiance là. Ça fait des petites notes un peu aiguës. Ah, je crois qu'il y a une boulonnade ici. Ouais. Je trouvais la boulonnade. Derrière les panneaux bleus, tu peux les casser. Ouais, j'ai vu. Derrière un panneau bleu, il y a une boulonnade. Ah merde, mais ils ont du réplicante. Comme Nier, quoi. En bobo, quoi. C'est là qu'on voit qu'on commence à sentir que la clé devient un peu obsolète. Oui.
Ah, mon niveau de nanotech a augmenté. GG. Par contre, le Seeker Gun, il gagne pas beaucoup d'XP, je trouve. Moi, je suis encore à essayer d'upgrade mes tourelles. Hein. On s'accroche. Ouais, ce que je fais là, vu que c'est une zone fixe. Là. Au revoir. Ah, mon niveau de nanotech a encore augmenté. What? Comment ça se fait? Ça monte vite. Hein. Non mais j'en ai déjà trouvé, pourquoi tu me l'expliques maintenant? Il a trouvé quelque chose, il a trouvé le cheat. Ah, le cheat. Hop. Ah, c'est bien, je suis revenu au début. Et le pont était débloqué avant? Ou c'est un autre pont qui est bloqué? Ça fait bien monter le nanotech. Oh, attends, les panneaux bleus. De quel panneau bleu parle-t-il? Bah les panneaux bleus là, avec un gros M de Megacorp dessus. Je ne les vois pas. Est-ce que j'en ai vu un s'afficher sur ton écran. Ça non. Oh non, bah non, arrête. Il est gros. Il est gros pourtant. C'est pas le M de Megacorp, ça c'est un logo de Wi-Fi. Hein? Non, à droite. Bleu foncé. À droite du logo de Wi-Fi. Oh, bah, une boulonnade. Incroyable. Je regardais pour mon écran, je me suis retrouvé devant une boulonnade, je sais pas quoi. Ah ouais. Elle était bien cachée celle-là. Juste après le pont au début. Oh bon bah ça je le ferai après. Oh merde. Oui. Oh j'ai bientôt plus de balles. Mais c'est sur le palier où t'es. Dites-moi si jamais vous voulez utiliser votre pièce SOS. Hein. Mais y a rien derrière le panneau Megacorp. Bah y avait des caisses de mine, mais c'était peut-être pas celui-là de panneau. Oh non, il faudra. Bon maintenant je sais à quoi il ressemble, j'ai regardé les autres. Si jamais je tombe dessus un jour. Bah ah ouais. Oh qu'est-ce qui s'est passé? C'est combien de boulangers là? Ah d'accord, plus 20 milliards. Ça fait beaucoup. Ah ouais, effectivement, ça va, la boulonne n'était pas très bien cachée. Fallait juste savoir qu'on pouvait péter le panneau. C'est ça. C'est comme j'ai un souvenir d'un coup quand je suis arrivé dans le panneau, je fais mais attends. On peut le casser. Je me souviens de quelque chose là d'un coup. Ah, le gadget. Il est déjà tellement loin devant, AD. Il est tellement loin. Le Terminator. Et non pas Terminator. Le Terminator. J'aime pas ce niveau juste parce qu'il faut se servir de ce gadget juste devant. Et que je le déteste. Oh merde! Ça va être comique ça. Comégué! Ouais, faut tirer les tourelles. Hein. Bon, ça a explosé. Ah ouais, ça par contre, ça le monte tellement de défoncer les grands vaisseaux. Ah ouais? Ah merde, si j'avais su. Ça monte tellement l'XP de défoncer les vaisseaux. Je sais pas pourquoi ton nanotech a augmenté 20 fois, mais... Bah, une fois avec l'XP, là. Ah oui, d'accord. Attends, c'est tout? Tout ce qu'il y avait là? Oui. Mais... Oui. Bah, une boulonnade, un point de comp et des nanotech. C'est déjà pas mal, quand même. Bon, c'est sous le pont? Non. Après le pont, à gauche. C'est pas Mario. C'est pas une étoile secrète là? Non.
une boulonnade secrète. C'est vrai que je peux casser les trucs un par un si j'ai vraiment que ça à foutre. Bah, y'a peut-être un point de compte. Un gadget. Bon. Bientôt le level up pour notre gant à tourelle. Enfin. Enfin, nous pourrons passer à autre chose. Ah oui, effectivement, une boulonnade. Ah, PG la troisième. Déjà? Ouais, mais ça là, je l'en souviens. Faites ça si vite. Ah, il y en a que trois. Enfin, que. Je risque de prendre la pièce SOS, mais on verra. On verra quand on y sera. L'endroit est visible, pour le coup. Ah bah, je verrai. Est-ce que je peux aller dans l'eau? Je sais même pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des requins. Oh non! Bah d'ailleurs c'est un peu comme Rilgar, hein, cette planète. Oui. Un peu c'est vrai, il y a les mêmes énigmes avec de l'eau là. Ah d'accord. C'est un peu brutal. Bon. C'est l'heure d'aller voir mon meilleur ami. Clank? Non. Terminator! Ah mais je sais plus s'il y a un mini-boss là. Ah non, c'est juste un vaisseau de merde. Ah et puis les vaisseaux, ils sont détruits par les tourelles. Ils sont trop nuls. Bah en même temps c'est un petit peu de la merde. Ah oui, mais les tourelles, c'est ça, ça. En plus, ça donne tellement d'XP de les détruire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est un nid! Amélioration. Tu as peur de te faire attraper. Elle est vraiment très très proche de l'upgrade, là. Je peux la il sentir. Il a une voix très ASMR, lui. Ok. Ça va encore être un truc qui était mieux dans en VF. Un peu quand même. Oh, il a pas l'air convaincu, Clank. Toujours truc. Bizarre là, le passage où pour débloquer derrière la porte électrique là faut se suicider tout en haut là. Ça a jamais été très clair je trouve. Oh là là. Ah bah là ça upgrade là. Ça upgrade là, c'est pas possible. Non. Comment est-ce possible? Est-ce que je peux pas? Ça n'explose pas ce truc? Ah non, c'est des trucs pour... Putain, les portes électriques quand même. À couvert. Non mais il a mis la tourelle dans l'endroit le plus... Il est complètement con. Mais par contre, le gameplay est plus lent quand tu joues tourelle. Oh, ça passe. Oh là là là, oh ça lag. Hein. Ouais, elles font du coup par coup. Hein. Elles ont pas envie de vitrailler. Waouh. Bon, est-ce allez, la suite on... Non. Tourne de le crank au boudang. J'ai le méga tourelle. Oui, du coup, la boulonnade est dans la zone où t'es. Ouais, j'imaginais bien. J'imagine bien qu'elle est quelque part par ici. Ah ouais, méga tourelle. Bon, bah, il reste plus que le blitz. Ouais, le blitz, ça allait vite. On observe, on ouvre le cerveau, on se suicide. Ah, oh, c'est l'heure des énigmes chiantes. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose derrière? Gadget. PDT. Ah ouais. Chaque fois, je sors le tracto-faisceau là. Alors que le thermomix est quand même.
est temps de ressortir une vraie arme, quoi. Paf. Salut Sonny Link. Ça fait Hello. Longtemps. Comment ça va? Rappons des gemmes. D'accord, ce n'est pas une porte. Mais... Si, c'est parce que vous avez été aveugle, man, ça je pense. Ça c'est le début. Ça va bien. Formidable. Bah il y a une dynamo là, mais à quoi elle sert? Ah ah. Bah qu'est-ce que ça pourrait ouvrir, quoi? La porte? Ah, je ne sais pas, moi. Il veut pas l'ouvrir en même temps. Ouais, bah t'es obligé de te mettre en bas. Oui, oui, c'est bon, on a compris que c'était la porte. C'est bon, là. Et c'est ça, la boulonnade? Oui. Ah, d'accord. Oui, ça va, hein, c'est pas... Incroyable. C'est visible, quoi. Bon, bah, les rats montent, hein, tranquillement. Aujourd'hui, ce stream s'arrêtera à minuit, je vous préviens. S'autodétruira à minuit. Je dois hélas m'autodétruire, c'est ça. M'autodétruire les cheveux. Ah, allez, on fait fondre la glace. Bon, est-ce qu'il va y avoir un boss ? Ah, c'est pas un boss. Ouais, le boss en question. Non, je pense que c'est prochaine planète le boss de mémoire. Bah c'est le voleur. Hein. I think. Qui sait. Ah. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Improvements. Slim Cognito. Your secret is safe with us. Whether it's weapons, shielding, or a new hyperspace module, we'll hook you up quickly, cheaply, and most important, quietly. So next time you're in the market for some legally ambiguous. Ah, j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de tour de l'eau. Name. Slim Cognitos. The only inspections we pass are yours. Starship mods. Well, a quick visit to Slim's wouldn't cost us much time. C'est vrai qu'il est pas très convaincu. Maybe we should check out that chemical factory. Someone inside might know where the thief was headed. The thief. Ah, j'ai pas de RE quand j'ai les coordonnées d'une planète. Ah, je pensais que si. C'est vrai que d'habitude il y a. Il m'a pas donné la Slim Cognito, clone Cognito en tout cas. Bah, je regarde là. Ah oui, mais c'est pas une planète. Ah. Pour ça. Enfin, ah. C'est une planète, mais pas vraiment, quoi. Ah oui, oui, c'est juste un hub. Bah, pour améliorer le vaisseau, là, ouais. Bah, attends, cette porte-là, comment on l'ouvre encore? C'est de la merde, oui. Effectivement. Je pense qu'elle sauve toute seule, là. Bon, bah, c'est reparti. Ouais, c'est genre il t'oblige à monter tout en haut là pour te suicider après. Et atterrir là. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, on va enfin arriver à finir cette planète. C'est long. Ah, oh, c'est long. Ouais, elle est longue. Ça fait déjà 20 minutes. Oh. Putain, il y en a combien des bassins là? Ah, et c'est le temple de l'eau. Ouais, bah, le temple de l'eau qui rend fou. Hein. En vrai ça va, mais je déteste avoir utilisé ce gadget. Surtout que là c'est chiant. C'est genre si t'es pas précis avec le niveau de l'eau là, c'est fini. Vous vous tracassez. Ouais, c'est juste là par exemple. Alors montre-moi ça. Ah c'est bon, c'est fini. Terminator. Ah oh, c'est vrai que ça coûte super cher en plus. Ouais, mais rien de trop cher pour nous. Non, ça va, mais je crois que c'est genre 10 000 boulons les prochaines coordonnées.
Bon, il y en a, on n'a pas de, on a plus de boulonnade cachée. Ah, ça s'est mis là. On va essayer d'aller plus vite pour rejoindre AD là un petit peu. Surtout qu'il galère avec des ennemis de temple de l'eau. Donc, Non, bon, j'ai fini. On va en profiter pour le rattraper. C'est vrai que cette cinématique, elle me faisait rire. En même temps, qu'est-ce qui ne vous fait pas rire? Ah bah... C'est une cinématique du voleur, là. Là-bas, c'est pas ça. Non, c'est pas là-bas. J'ai besoin d'être livré. Je viens pas de tout. Peut-être qu'en la voyant, ça va me parler en plus. Ben oui, tu verras. Ah ouais, c'est ça. Planète Siberius. Hein. Ouais, c'est une planète de glace, je me rappelle. Hein. D'ailleurs, ça m'avait fait penser à non, c'était pas Oltanis dans le 1, mais celle aussi où on détruit le déplanifier. Le déplanétiseur. Ouais, le déplanétiseur. Hein. Polaris, peut-être. Tout est Polaris finalement. Non mais peut-être que c'est vraiment Polaris le nom. La planète Polaris. Eh, c'est pour ça que je pense toujours que c'est le pouvoir de glace Polaris. Je sais pas si c'est nécessaire de la refaire fondre l'eau ici. T'as pas besoin de redescendre. Ah, je vais aller faire un petit tour chez Slim Cognito. Ah oui. C'est ça que vous disiez avec le niveau de l'eau. Ouais, et que si c'est pas au bon endroit, bah tu peux pas. Mais là encore, c'est... Celui-là, c'est pas... Ah, il y en a d'autres après. Ah bah quoi. Il y en a 4, je crois. Putain, mais c'est encore long, ces conneries. Téléportation. Pourquoi je voudrais un module de téléportation? Ah, faudrait que j'économise d'avoir 60 de réalité. Moi, je pense que j'ai assez de... Je peux passer en dessous. Ouais, le nuclear detonation, c'est vraiment ce qu'on veut. Ils vont, c'est tellement chiant de mais faire je sais pas. En fait, le problème, c'est que je sais pas de l'autre côté qu'est-ce qu'il faut que je... Qu'est-ce qui m'attend. Bah, c'est ça, quoi. C'est ça, le suspense, c'est donc on va voir. En fait, faut le... Ouais. Tu verras. C'est ça qui est embêtant. Moi, je le sais, du coup, c'est parce que ça me saoulait. Voilà, ça, je le mets comme ça. Et là, du coup, il fallait qu'elle soit un peu plus haute. Et oui. Parce qu'il fallait que je passe ici, ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Ah bah, ça va. Sur celui-là, ça va. Mais le suivant, mais d'accord, il va falloir que je fasse gaffe. Ouais. Ouais, faut mettre à mi-hauteur du tuyau, mais pas trop, sinon tu passes plus. Voilà, t'as la suivante ici. Ah. Au pire, ouais, je vais faire ça, je vais aller au rendez-vous. Faire un peu de rari là. Au point de rendez-vous. Vous manquez de rari, vous. Ah, j'aimerais bien en avoir 60 là pour avoir le tilt du vaisseau. Et donc celui-ci, c'est à mi-hauteur. Enfin, je les ai tous mis basiquement à mi-hauteur du tuyau et ça passait. On va faire un peu de rari. Ah bah voilà, ça y est, on est à la fin. Perhaps these robots can assist us. Excuse me, have you seen... Ça va, je crois qu'il n'y aura plus d'énigmes du jeu avec ça. Bip-bip-bip-bip-bop. Je pense qu'il sait parler le robot. Bah oui. Not long ago. Recently, they received a new transmission from him, and they are willing to show it to us for a small price. Oh, mais y a jamais de rari. Ouais. Bon, du coup, c'est bon, c'est un vrai rat. Ah, ça vous fait rire. Oui, j'aimais bien quand j'étais petit cette cinématique. Ouais.
Mais pas c'est bien en VF quoi. Ouais. Parce que là c'est la nostalgie n'a pas le pouvoir là à ce moment-là. Bah c'est ça. Moi qu'il a des problèmes avec son poteau animal quand même. Ouais. Il tient pas en place le bestiau. Ouais. Some robot humor. Garde de mer. Tiberius. Yes. Ah, le taxi. Tiens, le taxi. Ouais, ça me fait 50 de rari là. On manquera 10. En même temps, dans le prochain truc du vaisseau, là, je crois que. On pourra pas en choper une Harry. Ah ouais? Bah, let's go à Siberius. Bah, j'y vais aussi, hein. Écoutez, Slim Cognitose, je skip, hein. Confronte bah, the Thief. Let's go, confronte the Thief. Te souvenir, les boulonnades sont pas évidentes. Hein. À Siberius? Ouais. Nouvelle arme. Ah oui, qu'est-ce que c'est la nouvelle arme? Ah non, c'est pas ça. Non, il y en a pas. Bah j'ai. Ah oui, bah non, il y a le snipe. En fait, il y en a tellement que j'ai skip. C'est quoi? Je vais acheter le seeker là. Ouais, je l'aime bien le seeker. Je vais l'acheter. Elle est pas chère. En profiter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah après là. Regardez, j'ai mon blitz gun, hein, c'est ça le problème. Hein. Ah, j'ai eu le point de con, j'ai cassé le bonhomme de neige. Au début, il y a un bonhomme de neige derrière la porte, si jamais là. Une porte? La porte qui est devant toi. À côté des bouboules. Y a, ça donne un point de con de casser le bonhomme de neige. De Dan. Ah, alors... Je pense expliquer dans le musée insomniaque c'était qui. Alors que voici améliorer les robots. Ah oui, vraiment. Truc crève en un coup quoi. Ah, les tourelles vont bientôt level up. Ah. Je pense que ça va être très très cool sur les boss, les tourelles améliorées. Bah je sais que dans le 3 déjà c'était un des trucs que j'aimais bien. Je pense que dans le 2 ça peut pas être pareil. Bah tu débloques quand même plus tard dans 3. Merde, j'ai glissé. Ah, il y avait une plateforme là. Ah, faut que je reconstruise les ennemis du coup, ça c'est chiant. On glissait comme une merde. Ouais. C'était planté. Comme une merde. On arrive bientôt au Rarimax. Après tout, on arrive déjà à la confrontation avec le voleur. Il était bien le jeu quand même. Hey. On arrive bientôt au... Bah oui, à la jeu Vivax, vous voyez. C'est bientôt le moment. On entame bientôt le dernier cercle, quoi. C'est bientôt le moment, ouais. Là, c'est pas encore le dernier stage, mais je pense qu'on est à l'avant-dernier, AD. Ah, ouais, ça glisse. Bah... Vous verrez. On est à l'avant-dernier stage, hein, c'est ça. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui. Ah, ça donne là du pognon, ces conneries. Ah, il est presque upgrade, le Blitz, là. Ouais, il y en a combien? Ouais, la minorie. Le méga turret glove. Ah, effectivement, elles ont un plus gros gabarit hein, déjà. Bon, il y en a vraiment 20 milliards. Hein. C'est pas une blague. Hein. Je sais plus où est le truc à ramener pour la boulonnette, par contre. Allez, upgrade twee. Ah merde, c'est pas là? Ah si, il est là. Alors, tracto faisceau. À la dernière mune, quoi, du coup c'est au pling, le upgraded. Non, ouais, descends là. Tu l'as eu la boulonnade d'ailleurs? Pas encore. Les deux sont avant le camion. Quel camion? Ah! De mémoire. Celui-là, là. Bah, y'a. Ah, faut retourner. On peut retourner tout ship déjà? Ah, bah oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a tout le chemin en. Camion, gars. Oui. Ah mais ça va être... Ah mais il faut pas détruire toutes les vagues d'ennemis tout simplement?
Pour les boulonnettes? Ouais. Non. Non. Alors attends. Qu'est-ce que je vais remplacer? Oh, le truc des températures, c'est bon. Il n'est plus nécessaire maintenant, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Non. Alors c'est qu'est-ce fini. Que c'est? Ah mais c'est. Ah oui mais c'est lent. Ouais, c'est un peu. Faut les spammer. Ouais mais j'en ai. Attends. Faut en avoir trois en même temps quoi à peu près. Ouais, c'est sûr qu'il commence peut-être à faire pas plus beaucoup de dégâts quoi. Bah ça va, j'ai gagné un pixel quoi. Bon là-bas j'ai vu. Vu ici là déjà. Le emprise. Bien, il va falloir peut-être juste l'emmener avec moi. Je regardais sur la map. Ah, on voit pas vraiment. La boulonnade elle. J'entends qu'on se remet pas, je suis complètement en con. Je me souviens que c'est genre what the fuck, comment tu l'as la boulonnade, mais je sais plus comment on l'a. C'est petit ce niveau. C'est petit et c'est chiant. À quoi ça sert ça? Et le tractor de beam doit bien servir. Serveur de plateforme. Plateforme pour quoi? Pour une boulonnade. Normalement c'est une boulonnade que t'es censé avoir déjà vu si tu as ouvert l'œil. On la voyait de loin. Bah moi je veux bien essayer d'aller en haut là mais... De toute y a pas beaucoup d'endroits où tu peux l'amener. Genre. Bah ah, moi, mon hypothèse c'est que c'est en haut là mais... Anténoïde. Remplacer le lance-étoile, c'est dur. Attends, est-ce que je peux l'amener? Je peux l'amener avec moi dans l'ascenseur? Bah peut-être. Ah bah voilà. Ça. Ça change des choses d'un coup. De nouvelles perspectives s'offrent à vous. Eh bien, c'est bien possible. Ah parce que je suis. Ah mais elle est là, la poule, elle est cachée sous la map. Elle a bugué. Je me disais, c'est bizarre que ça s'éteigne pas. Scoop! Bon, j'ouvre l'œil, j'ouvre les yeux. Eh bien, je ne pense pas que ce soit par là, Herschel. Ah ouais, elle est là, là. Ouais, c'est comme ça qu'on va à la boulonnade. Ouais, c'est vraiment what the fuck. Effectivement. Je me suis bien souvenu. Attends, ou bien c'est vraiment là-dedans, mais là-dedans y'a rien. Non, bah non, non. Retourne au niveau du vaisseau, au pire, tu la verras mieux peut-être. Ah bah, toi je t'abandonne. Attends, c'est peut-être pour aller là-bas. Mais attends. C'est ici, non? C'est là? On peut aller là? Non, ça c'est en bas. Ça c'est en bas de l'ascenseur. Bah, le toit en face, tu peux y sauter là? Que celui qui est en bas, il y a une boulonnade. Il faut sauter depuis en haut et y aller en volant. Le toit là? Ouais, le toit qui est à droite, ouais. Bah, à quoi sert la plateforme? Il y a une boulonnade là-bas, mais ça n'a rien à voir avec la plateforme. Ah bah, bon, bah d'accord. Hein. Et voilà. Ouais, mais attends, je l'amène. Ça résout pas mon problème. Comment je l'amène? Ah, j'ai pas besoin de l'amener jusque là. Et oui. T'as emprise, c'est comme dans le jeu normal, hein. Complexe. Hein. Neuf. Heureusement qu'il y a des idées, hein. Bon, les boulons. Bah, oui. Mais celle-là, elle était facile encore, ça va, bah fallait juste... Bah faut la voir, mais faut savoir que c'est avec la plateforme là que ouais. Tu remontes. Bah tu peux dire, elle est pas là pour rien, quoi. Ouais. Ça va, mais l'autre par contre, là, faut sauter depuis avant l'ascenseur jusqu'au toit. C'est comme Spyro, quoi. Et ouais, mais on joue pas à Spyro, quoi.
C'est ça qui est dommage. Ah oui, mais c'est ça, par contre, les munitions s'utilisent 4x4, le synthénoïde. Attends, je suis sur le tour. Bon, c'est derrière la grille, du coup. J'ai essayé d'y aller, en plus. Derrière la grille, il voulait rien savoir, le machin. Ouais, bah, c'est parce que c'est par là qu'il faut y aller. Ouais. Bon, c'est fait. Est-ce qu'il y a un bastide sur le voleur? Non. Ça m'étonnerait, hein, effectivement. Parce que bon, moi j'essayais d'y aller comme ça, en mode celle-là elle est plus basse que les autres, tu vois, donc je m'étais dit, bah, surtout que tu vois que t'as Ratchet qui passe, là, mais... Bon, il est temps d'aller dans ce camion de Malu. Ah merde! Les rochers grossissent, ça fait peur. C'est un peu malaisant, ça. Bon, ne pas être pressé. Oh merde! Attends, putain, c'est 8... C'est 100 balles la mine du synthénoïde. Ah, ça a un prix, hein. Ah, tu me diras, ouais, ça coûtait déjà 65 000 de l'acheter, là. Oh, ça lag dans le camion, par contre. Oh, mon Dieu, ça fait peur. Oh, ça fait peur. Il y a de la petite phase, là. Ouais, mais elle est cool, cette phase-là. J'aime bien. Ah, je suis bientôt une nanotech max là. Ah oui, bah oui. Que 3. Oh, le voleur. Ah. Bah il voulait pas que je fasse le slingshot, le swinger. Oui, il faut attendre que la porte s'ouvre. Je me suis fait avoir. C'est ça qui s'est passé. Bah, je me suis dit putain, il est apparu parce que j'ai fait fuir le voleur. Mais non. Bah moi il était déjà là, donc j'ai voulu la gripper, il voulait pas être agrippé. Ouais bah c'est ça, il était déjà là en fait. Faut bien attendre, sagement. Pour qu'il s'enfuit, il faut que je le défonce, c'est ça? Oui. Oh merde, on a déraillé. Ça n'a pas très bien fonctionné. Oh, tu mets une tourelle, ça le tue, hein, je suis sûr. Ouais, en vrai, mais j'essaye de faire le seeker. Ouais, je comprends. Et PEF! Ça, c'est une arène, ça, c'est. Ça se voit, là. Bientôt le Nanotech Max. Oh non! Ça est perdu, Mega Corp. Alors, moi, j'entends pas ce qu'il dit. Il parle très en mode très. Alors il a dit ton impérialiste éco-fasciste est fini. Ah oui, c'est vrai que le voleur est de gauche. Le voleur. Oh, le seeker il marche très bien contre lui, hein. Bah ouais, c'est bien dommage, hein. Bah genre je lui ai mis 10 munes, il est mort. Bah mais vous l'avez amélioré. Non. Ah bon? Bon bah attends. Ouais, c'est ça le pire. Bah alors let's go. Let's go le seeker. Tu penses pas qu'on devrait l'arrêter? Si. Arrêtez. Cratchet. Bon. Mais en fait il veut quand même tuer. Il veut tuer le proto-animal, quoi. Ah oui, c'est vraiment ça en plus, ça fait rien ici. Frankenpest. Come on, Frank. Too slow. Corporate lackey.
Ah ça y est, quand il s'énerve, on sait que ça ne déconne pas. Ah, cette cinématique, elle est bien aussi. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que le seeker... Ah mais encore tu spammes pas assez, mais tu pourrais encore plus spammer hein, genre juste faire ron 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 ron. Oh nous avons récupéré. Pas cher quoi. L'arme elle est à 5000. Ah d'accord, il s'est vraiment mis en mode T-pose. Enfin pas T-pose du coup. Moi j'aime en vrai. Oui c'est Cratchit et Spank. Oui. Ah, coordonnées pour Tabora. Oh, maintenant on rentre chez nous et c'est fini quoi. Il y a juste une dernière planète. Bah oui. Parce que le voleur n'est pas mort. Ça se voit au nombre de RA de toute façon. Le voleur n'est pas mort. Lol. Et tout le reste c'est des news, c'est du NG+. Quel connard. Qui nous a traité de fascistes, il faut quand même éliminer la vermine. Ah, oh, je pourrais être fils de Jet. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi je me rappelle, hein, le fils de Jet, il fait genre... marchandise. Moi je me rappelle, il fait genre le siège éjectable. Voilà. Ouais, bah juste avant aussi. Ouais. Que diriez-vous d'un peu de musique? Oups. Puis cette phase-là, t'es dans la merde. Hein. Il l'a fait exprès. Oui, ça, je me rappelle de ça. Mais non, il est juste un peu déboussolé. Ratchit qui... Ah oui, c'est vrai, il va y encore... Il y a une embrouille, non? Mode Ratchit, il est en mode... Non, mais il est gentil. Enfin, ouais. Ouais, ça va. Ouais, il y a un peu de ça, il oui. Il est juste un peu vieux. Ah, une nouvelle arme. Oh, c'est Tabora. Cher, hein. C'est un très beau chapeau, Clank. Ah oui, c'est... Paf, le vaisseau. Et paf. Mon vaisseau. Puis la phase là, elle est pas évidente. Tout est assuré. Calmez-vous. Et du coup, il va pouvoir faire sa vente de jouets, quoi. Megacorp qui vont. C'est vrai qu'on nourrit finalement une société, une entreprise qui fait des bénéfices. Bah, des multimillionnaires. Quoi. Finalement, voilà. Mais tu vois, il dit oups, c'est forcément pas qu'il est mauvais. Il a dit oups. Alors qu'il y avait plus personne, il y avait pas. Ah oui, il y avait plus personne. Il est... mais... Non, mais c'était pour le joueur. Sur la caméra. Ah, c'est là que ça commence à être... Ça y est, le jeu, là, commence à prendre un petit niveau de plus, là, on va dire. Bah, c'est là que, dès que tu commences à voir les bouboules roses... Ah ouais, le lava gun, il était cool. Ah non, ça, non, mais c'est le bouncer, je pense, c'est ça. Ça, c'est c'était oui. Mon arme, bref, ça. C'était les bouboules cool, qui le rebondissent bouncer. Partout, c'est génial, ça. Ouais, oh, mais du ça coup, coûte un peu cher. Bah, on va économiser. Bon, c'est là, alors, les amis c'est là que le jeu commence à devenir. Voilà. Et puis là, t'es dans la merde, quoi. Tu peux plus partir. Ah oui, c'est ça. Donc si t'as pas up tes armes ou tes trucs avant, ou t'as pas fait de l'arène ou quoi, tu es dans la chiasse. Alors regardez la clé, même la clé. Vous voyez, les ennemis deviennent des sacs à pèves. Bon après, les ennemis donnent pas mal d'argent, ça va. Là. C'est des bruits d'ennemis de Jak and Daxter, ça, par contre. Hein. Bah c'est les Metaled. Les gros trucs là quand ils crashent là. Je sais pas, il a pas eu le temps de crasher. Ah oui, on commence avec à avoir du nanotech plus dans les boîtes. Le nanotech violet ouais. Donne plus de nanotech. Ça donne un cercle entier. Alors c'est ça, ouais. Bah il fallait bien de ça pour notre barre de vie qui est déjà bon.
Oui. Ah, cette cinématique. Casser la glace avec la clé. En cas d'emergency. Utilise-le. C'est la pierre, faut casser la vitre. Ça passait mieux en français par contre, hein, parce que là... Ah mais du coup là j'ai plus rien qui est... Ouais. Tant pis, hein. J'aimais beaucoup cette cinématique en français. Là c'est vraiment... Bah c'est des acteurs à qui on a enlevé leurs âmes, hein, comme dirait JDG. Ah bah là c'est vraiment le canon cette cinématique. Hein. Ratchet il parle même pas. Bon, je fais de la méga tourelle parce que bah, j'ai plus le seeker, donc c'est dommage. D'ailleurs le seeker n'a pas monté à un max, il a pas monté du tout. Je pensais que le boss allait donner v'là l'XP. Moi non. Voyons voir la planète. Ah, ah oui. Je me rappelle ça. Bah c'est ah, le... Oui. C'est, ça doit être un RA. Ouais tu l'avais dit, c'est un RA à fond ça. C'est le RA oui. De la vie quoi. Ah, con. Après, en soir, en 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est fait. Ah oui, c'est une nouvelle clé. In case of emergency, break glass with wrench. Hold on. This one says, use rock to break glass to get wrench to break glass to get rock. Ooh, I love logic puzzles. Et oui, c'est vrai que Clank n'a pas d'âme. Hein. Ah ouais, non, mais moi j'aime bien ce cinématique. Donc là, c'est bon, maintenant on a une nouvelle clé. Ça donne même pas de RA d'avoir une nouvelle clé d'ailleurs. C'est... D'ailleurs, je me rappelais pas de cette clé là. Je me rappelais qu'il y en avait une dans une sorte de vaisseau ennemi là. Mais c'est sûrement la dernière. Oui, c'est pas tout de suite. Tu me diras, le lava gun il était cool aussi hein, à l'époque. Je me souviens. Ouais, le lava gun est bien. Ouais. Bon, c'est vrai que là, peut-être qu'on commencerait à manquer un petit peu de puissance de feu, mais en même temps, il, c'est ça, c'est le Seeker, quoi. Mais le Seeker, il fait tout. Oh, le Seeker, il est incroyable. Mais ouais, on va économiser pour faire les trucs qui bounce, là, déjà. Franchement, pour une arme qui coûte 5000, là. Ouais, ça coûte 5000, et vraiment, ça fait là le dommage. Je pense qu'on a amélioré, ça va être incroyable, hein, ce qui va se passer. Bah, on a amélioré, elle est insane. Vraiment. Bah, c'était mon arme préférée du jeu, vraiment. Ah, on arrive bientôt à la fin. Hélas. J'ai amélioré mon sniper et j'ai pas eu la cinématique parce que... J'ai tapé avec la clé entre temps. Ah, c'est possible. Et bon, j'ai eu mon R1. GG. Ah, ça va être là. Voilà, le seeker fut utilisé. Hein. Ouais, par contre, j'ai pas l'impression que ça fait les dommages les plus ouf que j'ai pu voir, hein. Malheureusement. Tu as 3 secondes. 1, 2, 3. Ah, ça ne marche pas, ça ne tue pas ses ennemis. Toute cette XP à laquelle je n'ai pas droit. Moi, je vais les recharger. Le joueur de merde. Bon, ça coûte 500 balles à chaque fois tes conneries. Hein. Ça a intérêt à être rentable. Oui, ça va. Oh non, on dirait que ça s'est pas bien passé pour la petite Suzy. La petite Suzy. Ah, mais c'est déjà la deuxième arène. Ah non, non. Bon, bah écoute, au pire, c'est le nanotech voilà, qui a monté. Hein. C'est bon. Des sous-vêtements autopropulsés. Ça monte pixel par pixel. La planète Dobo. Ah, la planète Dobo, je me rappelle. C'est pas une planète un peu aquatique, là, en mode chichiant. Ouais, il y a de l'eau, mais... Oh, les points de comble, il y a là-dedans, là.
Il y a un nanotech à avoir là, il était incroyable. C'est vrai qu'il se casse la gueule vraiment quoi. Alors que Hisashi. Ah, saut 2023. En même temps, si dès le début elle s'était pas déguisée en voleur, il y avait. Voilà. C'est vrai que ça aurait été. Si elle avait montré ça dès le début, regarde, en mode regardez, alors que finalement. Surtout qu'un Prus, après, ça fout tellement la merde à cause de ça. The Megacorp testing facility, we make sure the products you buy are safe for you and your family. These are just a few of the products we've rejected to help keep you safe. The Tiny Tot Slingshot. Ah, puis c'est obligatoire, c'est vrai. Self-flying underwear and the Lawn Ninjas. So the next time your toaster doesn't explode in your face, say a little thank you to the Megacorp testing facility. D'accord, bah ça va. Wow, she's got a few bolts loose. What does a testing facility have to do with galactic danger? I am unsure. However, I believe we should. Je me souviens plus du scénar. C'est quoi, ils découvrent que le proto-animal finalement c'était un truc rejeté à la base? Je sais plus. Ah bah que c'est un truc dangereux là du coup. Finalement c'est pas un pet finalement inoffensif quoi. Donc là on peut partir tout de suite, c'est vrai, on a le nouveau vaisseau. Un petit peu les débuts, quoi. On a le nouveau vaisseau. Activate Vandor. On a les méditateurs de Spyro 2. Attends, mais il y a aucun mode pour les nouvelles armes là? Bon, en même temps, elles sont toutes améliorées, tu me diras. Les cristaux. Je gardais mes boulonnades. Ouais. Oh oh. Bon bah, 10 cristaux, bon bah, 10 cristaux. D'accord. D'accord, Clank. D'accord, Crash. Ouais, du coup, là, il faut aller dans le désert. Et là, vous allez voir, là, c'est amusant. Vous voyez cette map? Vous voyez ce désert? Bah, voyez Breath of the Wild même, ça va être plus facile. Bah, il y en a 100. Bah, le jeu te demande de ramasser 10 sur les 100. Ça va. Ça fait déjà une bonne partie. Mais le problème, c'est que, ouais, voilà, il faut les péter, les petits cristaux, et ouf, oh, vas-y, la merde que ça libère. Hein. Mais ils sont marqués sur ta map, après. Quoi? Ils sont marqués sur la map? Avec le cartomatique. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais de toute façon, là, on va juste en faire un petit peu. Ah oui, bah, je vais faire les 10, là, et puis... Et on prend pas de sous, parce que, au secours... Alors c'est sympa, mais maintenant ça sort pas grand chose là. Ouais, bah non, c'est ça. Bah ça donne du pognon, je pense. Oui, ça donne de l'argent, mais. Mais ouais, c'est ça quoi. C'est plus rentable en New Game Plus quoi, en fait. Ouais. Ah, la nouvelle clé elle fait le café quand même. Hein. Mais y a pas des gros monstres dans le désert, un petit peu à la. Ah, si, si. Hein. En mode terrifiant là. Ça se voit quand ils sont là. Tu peux pas les rater quoi. Effectivement. Je ne négocie pas avec les monstres du désert. Puissant la Majesté Christophe. Voilà, il est mort. Il est mort. Voilà, on l'a tué. Et j'ai pas eu toute l'XP qu'il pouvait me donner avec le Seeker, ça aurait été incroyable si je l'avais tué au Seeker, je crois. Oui. Mais il me semble que... Ah ouais. Il me semble qu'il y avait un bestiaire dans ce jeu. Oh, c'est 1000 boulons le cristal, hein, ouais. En vrai. Ah, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. En vrai, j'allais dire en vrai. Non, mais c'est pas ouf. Oh non, c'est nul. Tu fais tout à 100 000. Enfin, à 90 000, du coup. Ah ouais, ah ouais, par contre le sticker ça le tue en deux frames. Ah wow. Ouais, non mais l'arme est craquée. Il y a un nanotech qui traîne ici.
Où exactement? Ah, il est là. Si tu veux me dire sur la map où est-ce qu'il est? Oh, bah c'est au début en fait. Tu vois, t'as un grand canyon. Oh merde. Ouais. Et il est dans le canyon, faut se suicider pour l'avoir. Ah, c'est la manière la plus simple que j'ai trouvé de l'avoir. Ouais, super, let's go retourner au tout début. Ah, mais non, ça marche pas. Bon, bah on va ramasser d'autres cristaux en attendant. Faut vraiment le faire pendant qu'on. Pendant la phase. Faut croire. Parce qu'il y a un autre chemin sur la planète qu'on n'a pas fait. Oui, oui, j'ai vu sur la carte. Je vois, je vois. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Mais en gros, il est sur un des pylônes qu'il y a dans le canyon. Alors, je vais lui vendre mes cristaux. Ouais, j'ai gagné 5000 quoi. En rab. C'est pas beaucoup. Il a toujours une putain de touche pour sortir l'arme et une putain de touche pour. Ça va aller. Bonjour vous. Par contre, ouais. Bientôt toutes mes armes seront améliorées là. J'en aurais plus beaucoup. Ben moi j'aimerais bien le Seeker, mais le Seeker il s'améliore pas. Enfin, j'ai jamais de balles en fait. Bah, ben moi en fait, le problème que j'ai c'est qu'il me reste que le Seeker et les Synthénoïdes et les deux nouvelles armes du coup qu'on vient de débloquer. Et sinon, j'ai acheté le reste quoi. Elle s'améliore trop vite. Ah, par contre, niveau boulonnade dans ce niveau. C'est vrai. Je pense niveau boulonnade, t'en as une qui traîne au pif dans le désert. Ouais, elle doit, ça doit. Et l'autre, ah, elle est peut-être là. Ouais, c'est là, je la vois. C'est dans le chemin annexe. Du coup, j'ai menti. Voilà, arrêtez. J'avais oublié cette phase-là. Ouais, ça donne pas tant que ça. Bon, vers le canyon. Oui. Oh, attends. Et tu vois, là, t'as déjà fait 20% des cristaux. Ouais, en vrai, ça va vite. Oui, oui. Dans le 3, ça va moins vite de mémoire quand même, dans les égouts. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça, hein, les égouts, j'avais. C'est vrai que j'avais très vite délaissé les égouts. Hein. J'ai fait une fois, je pense. Et quand tu vois qu'en plus ça se reset quand tu passes en New Game Plus. Donc faut tout refaire. Mais ouais, au niveau du canyon, t'auras un des pylônes. Là, tu te balades, là, tu le longes et. Tu trouveras bien ton bonheur. Tu trouverais, voilà mon bonheur, exactement. Plus qu'un nanotech et la barre au max, quoi. Bah ouais, hein, vraiment. Il était bien, ce jeu, quand même. Mais ma barre d'XP est quasi pleine, donc ça va arriver très vite, quoi. Ouais. Bon. J'arrive au niveau du canyon. Le canyon. Et donc c'est à droite du pont là quand tu viens du désert. Quel est le pont juste à droite? Bah je vois là, c'est pas le pont où t'es là, faut que tu reviennes au début. Ah si c'est là où t'es. Non t'es pas. Ah c'est près du mégacorp. Ouais c'est au tout début en fait. Ouais c'est tout droit là en gros. À peu près. Ah. Tu peux avoir rien. Le planeur, quel truc de merde ça. Et normalement t'es censé ramasser ça pendant que t'es en glider quoi. Mais pas lui. Mais pas lui. Oh là 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 là. Ah bah d'accord, ah d'accord. Tiens. Allez hop. Au revoir. Ah oui, je pense que t'as une boulonnade à l'arrivée. Ouais, c'est ça, t'as une boulonnade à l'arrivée. C'est gratuit. Non. C'est pas grave. Voilà, je suis revenu ici, c'est très bien.
Bon, du coup, on va aller, c'est ça, ce petit pont-là et à droite. C'est ça. Enfin, du coup, c'est à gauche quand tu viens du vaisseau. Mais vaut mieux être du côté du désert, je dirais. Ouais. Attends. Mais y a pas de pylône. Continue d'avancer, c'est les gros pylônes bleus. Ouais, il y en a un là. Mais c'est l'autre côté du coup. Ouais, il y en a. Bah non. Mais. Tu as pas vu? Ah oui, continuer. Oui. Et dessus, il y a le nanotech. Est-ce que tu pourrais disparaître le machin? Non? Ah bah d'accord. Je peux aller me faire. Et Lightbox est un peu pété, il fait un peu mur invisible. Ouais, j'ai hélas remarqué. Ouais. Là, j'aurais pas d'astuce là. Bon, le talent. Ouais. Alors là-bas, il y a le point d'interrogation d'ailleurs, tu y étais allé? Ouais, je viens de récupérer ce qu'il y avait. Ah, mais ça sauvegarde. Attends. Hein, quoi? Genre, il a pas sauvegardé ce cristal là. Ah, mais c'est peut-être un autre que j'avais ramassé, je suis peut-être con. Oui, tu l'avais pas pris, s'il est là. Ah, attends, il y a un autre cristal. C'est ça le truc, c'est que tu t'arrêtes jamais, c'est ça fait... Tu trouves toujours d'autres un peu plus loin, là. C'est donc ça, Breath of the Wild. Alors que quand c'est dans les égouts, là, bah... T'as pas envie, en fait, jamais. Bah déjà, tu vois pas les suivants, là, pareil. Ouais, c'est pas pareil quoi. Ça marche moins bien je trouve. Dégage saleté. Le truc aussi c'est que la cam elle est pas très, elle aide pas beaucoup on va dire. Voilà. Par contre les cristaux des fois ils suivent pas hein. Ils restent plantés là, faut retourner en arrière les chercher quoi. Merde. Ne dites pas ça. Vous me faites peur. Ça fait deux fois qu'il me le fait et j'avais l'impression que ça me l'avait jamais fait. Ah, ma barre de nanotech est full. Oh non, encore? Non, mais je l'avais enlevé. Qu'est-ce qui se passe? On va encore faire le truc de l'eau, là, mais il aime bien le truc de l'eau, hein. Ouais, c'est vraiment le... On est tellement content de notre truc de l'eau, là. Bah, c'est comme dans le 1, là, l'hydrodéplaceur, qu'est-ce qu'ils s'en servaient, là? C'est vrai, ouais, mais après, ils arrêtaient, hein, à un moment donné. Heureusement. Oui. Bah, jusqu'à Pokitaru, quand même. Ouais. Ah ouais, et bah, à la fin, du coup. Donc là, il faut que je fasse ça et que je gèle ensuite. Bah oui, mais je me fais toucher, forcément. Il faut que je... Je l'ai pas mis dans ma roue, faut que je l'utilise, mon gadget. Ah ouais, là, il va falloir geler. Ah ouais, ça, c'est cool. La bombe nuke, ça one-shot pas les gros mobs. En vrai, mécanique sympa. Ça va. Il y a une boulonnade, d'ailleurs, ici. Ça veut dire qu'il fallait le faire de l'autre côté. Oui. Non, oh non, non, je la vois, ouais. Ah, j'ai déjà plus qu'une balle, hein. Oh, le seeker, en vrai, ça me fait chier un peu. Hein. Bah, il monte pas beaucoup. En fait, il fait énormément de dégâts, mais il gagne pas beaucoup d'XP, je comprends pas trop. Bah, pas beaucoup de dégâts, je sais pas. Les mobs de merde qui crachent, il faut quand même que je le. C'est quand même deux one-shot, hein, le machin. Ah bon? Bah, ça lui met one-shot. Ouais. Ça me lui one-shot, moi. Peut-être que tu l'as upgrade et que tu t'en es jamais rendu compte. Non, non, bah non, il. Ah, mais après, j'ai mis des mods dessus. Ah bah oui. C'est ça.
J'ai mis les modes électriques. Comme c'est une arme que j'aime bien, je me suis dit que j'allais le faire à fond là. Bon, je préfère attendre un peu. Attends, moi. Hein, comment ça se fait que le truc est à peine monté? C'est pas grave. T'as pas attendu assez longtemps, ça marche quand même. Ça marche quand même, ça va marcher quand même. Ah, et mouche de merde là, boost. La mouche à merde! Putain, là! Mais par contre, toi, quand tu vas dans le fond du désert, qu'est-ce qu'il y en a des grosses bestioles là? Y'a que ça! Bah, c'est de l'XP, hein, c'est ça, ça fait toute l'XP, quoi, ça fait plaisir en vrai. Ah bon, maintenant la clé, ouais, mais... les one-shots, ok, d'accord. Ça fait de l'XP, mais. En attendant, j'ai plus de mine de ce que je dois XP, quoi. Bon, j'ai... Ah, j'ai le planeur. Eh oui. C'est très chiant, le planeur. Enfin, j'aime pas trop. Enfin, surtout dans la prochaine planète, en fait, ce qu'ils en font. Est-ce qu'il faut que je maintienne le bouton, moi? Oh, ça... Ah, ça... Et du coup, je crois que le nanotech, t'es censé le récupérer pendant que tu fais ça, là. Ah, c'est... Oh, wow. Ah, ça... Mais c'est... Ça a une certaine... Hein? Maniabilité. Maniabilité. Ça, on dirait qu'il y a un délai monstrueux. J'ai l'impression de jouer à Ocarina of Time sur ma Switch, quoi. Un délai. Waouh. Oh, putain, le vol... C'est eux qui ont fait Spyro's Dragon, le dragon, je rappelle. Hein. C'est quand même criant, hein. C'est limite dôme, c'est limite triste de voir ça. Il y a un délai monstrueux. Enfin, c'est voulu, j'imagine. Mais... Bah, ah, j'ai cru qu'il était là, la boulonnade. Mais... Oh, il reste une boulonnade. Mais elle est pas là. Ouais, non. Ah, il y aurait peut-être une. Je vais essayer d'aller là-bas. Là. Dans le désert. Je le dis, c'est dans le désert là, mais je sais pas où. Pas dans la petite. Il me semblait que c'était dans une petite oasis là. Ouais, bah il y a une oasis là que j'ai visité. Il y en a peut-être une deuxième. Mais il y en a. Il y a ça là que je me dis. Ah, j'y suis allé, il y avait rien. Rien. Enfin, il y avait un cristal là. Ouais. Ouais, j'ai fait la deuxième oasis là. Bah, je sais pas. Ça me fait combien en tout? Ouais, genre, je suis presque à 50 là. En tout. Aïe 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 aïe. Il va tout AD qui va faire tous les cristaux finalement en direct. Ah, mais en vrai ça. Moi. En vrai ça. Ça va, hein. J'en suis déjà à 30 persos, ouais. Ah merde, cher Kanil des nanotech. Oh non. Ne dites rien. Merde, j'ai cassé le jeu. Ne dites rien, ne dites rien. Et t'avais réussi à avoir le nanotech au final au-dessus du pilote? Oui, je l'ai eu. Ouais. Mais quoi, t'es pas encore mort? Mais le truc. Bordel. Bon, je vais mourir de toute façon. Mais... le problème de toute façon, c'est quand il va rester deux cristaux là, genre dans le désert, va les trouver sur le cartomatique. C'est ça que je me dis, bah là, je vais faire ce que je vois sur le chemin du retour là, mais. Enfin, après, j'ai bientôt plus de mine de toute façon. Ouais, bah c'est ça, ça part trop vite. Hein. Regarde, j'en suis à combien moi? 10. J'en récup. Ma roue est vite quoi. Bah en fait, faut juste regarder où la. Ou la map, où est-ce qu'on n'est pas encore allé, hein. Ça va certainement être, voilà, genre là. Mais si t'en as loupé un, tu vois, et que du coup c'est un endroit que t'as déjà vu. Ou bien si c'est un, ouais, qui est pas, que t'as amené ou vers toi et qui a pas, crois. Ouais, voilà. C'est vrai que, là, dans la grande partie, la grande majorité, tu vas les avoir, quoi. Bah, il donne l'XP, hein. Mais pourquoi il part aussi loin, le truc? Après, moi, quand j'ai 100 000, Ah, mais ça va peut-être être con de dépenser direct. Après, si je l'ai, je suis bien. Alors, le problème, c'est à 100 000, t'as une arme et les munitions vont partir très vite, à mon avis. Ouais, l'arme à 100 000, à mon avis, bah, je l'aurai déjà, quoi. Mais c'est sûr que l'XP, je vais jamais la prendre ici. Ouais, en plus. Oh, les deux en même temps, là. Allez, let's go. J'ai plus de mine, merde. J'ai quoi comme arme? Ah, j'ai les armes du 1. Bon, allez, un peu de griffe Tesla là. Pour souvenir du bon vieux temps.
vrai que c'était la meilleure arme. La vitesse lock. Oh, ça y est, j'ai trouvé la boulonnade. Ça y est, j'ai la vie max. J'ai réussi. GG. Elle est où la boulonnade? Ah, du côté droit du désert. Oh merde. Bien. Je suis à l'opposé. Attends, je veux dire ça. Ah non, c'est pas mal en haut. Tu vois le cercle de lave là sur la map? Ouais. Le bord droit là du cercle, tu le prolonges le côté droit. Oh merde. Et c'est jusqu'au bout quoi. Ah ouais, ok. Tu suis okay. La direction du côté droit de lave, okay, et c'est vois, tout droit. Ok. Voilà, Griff Tesla. Qu'est-ce que c'était, hein. Ah merde, ah, je pensais que t'allais dire. Ah, c'est quand même bien. Ah, je vais mourir quoi. Même à casser les cristaux, ça marche pas quoi. Pourquoi il y a certains. Je m'interroge quand même parce qu'il y a certains trucs qui mettent. Il y a certains trucs pour les cristaux, ça explose en deux coups. Et d'autres vont faire là 3-4 coups de sauté pour les péter quoi. Ah non, normalement c'est tous la même durabilité là. Bon, il faut que je meure. Parce que j'ai plus de mune, donc ça sert à rien de continuer à essayer ouais. Ici. Hein. Je vais plus avoir de. C'est plus rentable niveau. Et le corps à bombe là ? Ouais, le corps à bombe aussi s'est éclaté là. Ah, c'est vrai qu'il y avait encore le blitzcan. Ah bah, je suis mort. Bah, voilà. 55. Tiens, prends mes 55 cristaux là. Il reste 30. Ah bah, c'est pas 100 là. Ça. Bah, j'en avais eu 15 avant, je pense. Ouais, c'est ça, j'en avais eu 15, les 10 du vaisseau plus 5 que j'ai vendu. Donc, ouais, c'est 100. Bon, je vais m'acheter le pistolet à lave. Parce que de mémoire, ça marche bien le pistolet à lave contre les gros. Enfin, c'est chiant de les toucher, mais ça leur fait pas mal de dégâts. Bien, je vais pouvoir terminer mon tour de l'autre côté là. Ouais, vas-y, bon. Vas-y. Meurs, saloperie. Ah ouais, les mûres. Ah, ça y va, le speedrun. Hein. Il a bon dos, le speedrun. Speedrun cristaux là. N'empêche, c'est un petit peu Breath of the Wild avant l'heure. Ouais, bah c'est ça. Hein. Une vaste zone vide avec 100 merdes qui traînent au pif. Des Korog, là. Et ça, mais et le coup de ouais. Et le coup de faire ah, mais il y a toujours un truc à faire en fait. Bah, ça marche en fait. À chaque fois que tu vois un cristal, t'as envie d'y aller et de le faire. Ouais, bah, c'est ça. Comme quoi, Nintendo. Ah, ils ont révolutionné l'open world hein, quand même. Ils sont vraiment forts. Oh, le pistolet à lave, mon dieu, ça les détruit. Hein. Ah ouais? En 4 coups, ça tue, genre en 4 inputs là. Sur 200 obus, ça passe pas mal. Oh là, je suis en train de faire un génocide dans le désert. Je peux venir. Mon tracé est pas du tout méthodique. Ça ressemble à rien. Bon, y a pas vraiment de méthodologie, hein, c'est juste de la merde. Voilà, ouais, pas mal. Du coup, c'est juste des gros zigzags là. Du coup, je suis retourné sur mes traces. Hein. Je suis en mode, bah c'est bizarre, je vois plus de cristaux. Ouais, non, mais genre, le seeker là, c'est quoi le seeker à la retraite? Ah, c'est vrai que, bah oui, même méga tourelle, j'en ai plus. Ouais, non, il va falloir que je meure. Le problème, c'est que je meurs jamais. Le problème, c'est que je suis trop bon. Ouais, c'est que je suis trop bon au jeu vidéo. Ah mais où c'est les bouches là? Prendre Centénoïde, quelle arme de merde hein, vraiment. Centénoïde? Ouais, ils étaient bien dans le 3 là, les petits soldats là. Ah, je l'ai pas pris hein. Je l'ai pas pris parce que effectivement le souvenir d'un truc pas ouf. Ouais, c'est peut-être qu'améliorer sera bien, mais là. En vrai dans le 3 c'est pareil aussi, je pense, genre quand c'est pas amélioré, c'est vraiment naze, mais après ça devient super cool. Bon, c'est mes deux dernières tourelles, donc bon,
jour. Ah, j'arrive à 60 quand même, hein. C'est pas mal. Ouais, plus les 10 que t'as donné là. Oh, non, non, je les ai pas donnés encore. Donc, ouais. Ah, ok. Oh, mais il y a un monde où. Ça donnerait presque envie de finir, quoi. Il y a un monde où Indeed, on est fini, quoi. Mais merde. Mais merde, quoi. Quand on s'amuse, c'est fou. Mais ça expose les armes aussi. Avec ça, je vais avoir 62, là, ouais. Ça fait tout ce qu'il faut, quoi. Ah non. J'ai pas pu faire les. Ah merde, du coup, ça veut dire que l'endroit où je suis mort. Ok. Et t'avais trouvé la boulonnette d'ailleurs ? Non. Bah j'ai pas été là où elle, où tu m'as dit. Ok, ok. Bon, de toute façon, en te baladant là, c'est proche de Christophe. Du coup, là, je peux payer pour le lavagun et je peux regarder. Allez hop. Ah, vas-y. Le lavagun est bien. Vas-y, je sacrifie. J'approuve le lavagun. Je sacrifie, quick select. On va le mettre à la place du lanceur, bah qui est plus utile hein, maintenant en vrai. Je pense qu'il est obsolète le. Ouais, moi le sniper, j'avais souvenir que c'était cool. Mais ouais, ça fait des gros dégâts, ouais, mais voilà. Quoi, c'est... Je vais enlever le canon en fait, je pense. Le blitz, il est pas si incroyable que ça. Les dégâts sont un peu nuls. Ouais, le blitz, bah je l'ai amélioré là. Mais ouais, mais même amélioré, même c'est amélioré, pas c'est pas ouais. Pourtant, j'avais. Alors que j'ai mis des mods dessus, je crois. J'avais un souvenir de cette arme là, comme quoi. Vous voyez, parfois les souvenirs c'est de la merde. C'est parce que. Ouais. Au début de jeu c'est bien quoi. Du coup moi j'ai la nanotech max. Hein. Ah. Mais pour... je comprends pas, AD, ma barre d'XP elle continue à monter. Bah c'est qu'on peut regagner encore plus de nanotech. Mais à quoi? Hein? Bah. Ou c'est peut-être autre chose hein, que ça va faire. Mais... Je ne sais pas. Bah moi. Oui. Pourquoi ma barre monte? Je comprends. Dans la barre de pied est pleine. Ah, je sais pas. Bon, l'endroit où je suis mort, lamentablement. On devrait pas tarder à tomber dessus, l'endroit où je suis mort. Ah, c'est tout droit. Ah, mais je suis déjà à 18 sur les 30 qui me manquaient, en fait, je viens de remarquer. Ça passe si vite, cette récolte de cristaux. Mais oui, en vrai, c'est amusant. Moi, il y a une partie de moi qui... Bah, je m'éclate, hein. Ouais. Bah, c'est dommage, parce que en New Game Plus, c'est genre 10 fois plus que ça donne. Du coup, au final, tu te retrouves avec 1 million quand tu fais tout. Ouais, mais ils reviennent. Oui, ils reviennent. Ah oui, donc ça va. Mais il faut le refaire, quoi. C'est pas grave, ça. Je crois qu'il y a des débris, là-bas. Ah, bah, j'ai trouvé la boulonnade. Effectivement, elle est au milieu de nulle part. Hein. Ouais, GG. Oh, oh! Alors que Clank a perdu sa main. Clank, Ratchet. Ratchet, pas Clank. Ratchet n'avait plus de main. Il était devenu, un amputé d'hier, finalement. Oh non. Il ne peut pas remettre son bras. Ça c'est dommage quand même. C'est le con Ratchet, hein. Tu peux pas remettre ton. Ah, j'ai plus beaucoup de. Par contre, y a pas de nanotech. Hein. Après, ce qui est chiant avec le viseur là, c'est que ça vise pas ce que tu veux. Le seeker, oui. Ça tape dans le tas, quoi. Ça marchera mieux après. En amélioré. Putain, mais il a combien de vie le machin? J'ai perdu toutes mes munes dessus, c'est pas possible! J'ai perdu toutes mes munes dessus, bah génial. Sur un ennemi, quoi. J'ai perdu 10 munes sur un parce qu'il visait jamais ce qu'il fallait. Bon, bah on va... Aventurons-nous dans le désert, qu'est-ce qu'il nous reste à explorer? Oh, le côté droit, un petit peu vite fait, là. Bon, on va essayer le lavagun, là. Ah, il est très efficace. LXO a l'air de monter quand même pas mal vite, là, alors que c'est de ce niveau-là. Ah mais ah oui, quand même. Se remet pas. Ah oui quand même. Ah il marche bien hein.
Ah là, vu. Ah là c'est le moment, il me reste 5 cristaux là. Mais où t'as tout exploré? Bah pff, en haut à gauche de la map là, genre y a pas mal de vide, je me dis que ça doit être par là. Allez, de 70. Là, je me souviens être déjà passé. Je vais mourir. Ouais, par contre, ça va être long à le monter, le Navagun, j'ai l'impression. Ouais, sur cette planète-là, ça risque de prendre un peu de temps, ouais. Mais bon, ça marche bien sur les gros monstres, au moins. Quand t'as plus de mine, bah, t'utilises ça, quoi. Au moins, t'es tranquille. Ouais. Ah bah oui, mais il doit y en avoir dans cette crevasse là qui fait tout le tour, j'ai jamais été voir dedans. Dans la crevasse? Ouais, je me dis que doit y en avoir. Non, non, mais pas le genre au milieu. Le bord haut de la map. Ah. Non, pas, la, pas le truc de lave là. Merde, je suis mort. Ouais, non, ça après, pas l'air. Après, va savoir où t'étais. Oh, là, je vois où j'étais à peu près. Tu vois où le trait s'arrête quoi. Ouais, bah c'est ça. Le problème c'est que j'ai plusieurs traits qui s'arrêtent, mais ça va. Ouais bah oui. Ah ça va, ça coûte rien en plus de le de recharger le lavabo. Ah oui. À 200 t'as full moon. Ouais ça coûte que dalle là. Dalle que quoi. Bah écoutez, j'avais souvenir que la recherche des cristaux était plus chiante. Eh non. Peut-être parce que j'ai comme confondu effectivement avec le 3 là. Je sais, mais après, ouais. Je sais que t'as un désert de glace. Après, le désert de glace, lui, je crois que c'est chiant. Mais après, si ça se trouve, je vais encore être surpris. Les ennemis sont un peu plus galères dedans. Ouais, bah, ils sont plus balèzes, là, je crois. Les gros bah, serpents géants, jeu, là, c'est genre, ouais, c'est du endgame, quasi. Donc, ouais, ouais c'est, ils te font très très mal. Et ils tankent beaucoup. Ouais, il n'y a plus que de cristaux, là. Ah, vite. Ok. On est retourné à l'endroit du décès. Le décès. Oh, le Seeker, il est bientôt. Où... Hein. C'est le moment où c'est la merde. Comment ça? Ah, je vois plus de cristaux, quoi. Ah. Bon, moi, je continue à faire mon tour, là. Écoutez, Ah, peut-être par là-bas, là. C'est un bon endroit à cristaux, là-bas. Mais au pire, rien n'empêche de revenir plus tard avec le cartomatique. C'est vrai. Parce que, ouais, pour deux... Après, il y avait peut-être un errant en mode... Hey. Vous voulez sans carte automatique là. Lol, mais ça vole. C'est quand même dans cette zone là, là. Une grosse tache grise. Il y en a un là, effectivement. Ouais, plus qu'un. Oh non, la barre de vie est devenue petite. Eh oui. En fait, c'était juste la moitié du nanotech, les amis. Bon, je le savais, hein, mais j'ai fait un suspense. C'est vraiment la moitié? Bah, non, je pense qu'il y a deux je pense qu'il y a deux lignes de mémoire. Oui, il y a deux lignes. Mais ouais. C'est ce que je veux dire, est-ce que ça va jusqu'à 10? Jusqu'à 10. Bah, genre 10 cercles, je veux dire. Ah, je sais pas. Bah, ah! Jusqu'au bout. Bah, je pense que oui. Je pense que c'était la moitié, ça. Je pense que c'est la moitié d'une ligne. Et ouais, mais ça te donne une idée des PV que ça t'enlève à la fin du jeu, quoi. Ouais, ah oui, ça, c'est pour te dire. Le boss final, je pense qu'il t'enlève une ligne, quoi. Y a pas de. Ça se passe bien. Oui. Bon! Alors. Ah, elle doit être là ou le dernier. Oh, ouais, bah, attends. Ah, je le vois. Faut pas mourir. Ah, sinon tu vas... Bah, retiens où t'es sur la map. Hein. Et ouais, bonne oui, chance. Ça va, je sais où c'est. Bon, j'ai fait balancer une bombe, ça l'a cassé, et puis hop. Oh, skill point. Bah oui. Je les ai même pas vendus encore. Moi non plus. Et c'est quoi, ça? Avec les magnétos machin, je les ai pas. Hein. Les alors, c'est un truc qui sert à rien. Mais tu peux trouver du rari avec. C'est genre une foreuse en fait. Ah oui, c'est pour faire du mining. Ouais, c'est très nul.
Ah, j'ai bientôt augmenté mes nanotech, faudra peut-être que je le garde pour la prochaine planète. Ah, il y a un bouton. Ah, ça c'est monsieur. Ok, oui, ça c'est ça. Ah, j'ai 14 platinum maintenant. Let's go. Ouais, mais ce sur le seeker, là, l'électrique. Bon, l'autolock, je m'en sers jamais. De toute façon, ça autolock de base. Donc, Ouais, non, mais genre si tu fais L2 plus R2, je pense que tu peux choisir lequel tu vises peut-être. Ouais. Inutile. Et aussi, tu peux voir la barre de vie des ennemis. Ah, ça c'est bien et par donc, contre. Et des boss aussi, du coup. C'est bien. Oui, les boss, on voit leur. Oui, mais voilà, ça te met sur un cercle. Bah écoutez, hein, c'est mieux mon. Moi, je préfère mon cercle, hein, déjà, voilà. Arrêtez, je veux le cercle, voilà. Et voilà. Ah, j'ai même pas assez là pour acheter le. J'ai souvenir que le lava gun en augmenté, oh. ça fait de la. Bah, c'est de la glace en fait. Ouais. C'est bleu. Du coup, c'est peut-être pas de la glace, c'est peut-être juste extrêmement chaud, parce que quand c'est chaud, ça devient bleu. Quand c'est très très chaud, ça devient bleu. Ouais, peut-être. Certains soleils de nos galaxies, de notre univers, sont bleus. Bleu blanc parce qu'ils sont très chauds. Je vais aller chercher un peu de rarier là, en attendant. Enfin, en vaisseau, hein, pas avec la foreuse. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, une cinématique. D'accord, bah dégagez. Je vous aimais pas à façon, hein. Ah. Des billions. Ah, pour qui t'as lu. Pour qui t'as lu. Ah, ouais. Par la chasse d'eau. Vous avez retrouvé Pokitalu. Ah, c'est vrai qu'il me manquerait presque. Hein. Alors, en tout cas, vous avez tout trouvé sans le cartomatique, vous êtes fort. Ah ouais. Bah ça va, on les voit de loin du coup avec la map, c'est vrai que tu peux quand même. Ouais. Oh merde. C'est vrai qu'il y a des petits trucs de merde que j'ai pas vu. Hein. Mais à mon avis, ceux qui me manquent doivent être du côté droit du désert. Là, mais... Bah sur ta main, j'ai cru voir que le côté gauche, genre, il y avait une grande zone aussi que t'avais oui, pas oui, fait. Oui, c'est là. Ça, j'ai pas encore fait. Là, je suis en train de... Mais je fais la méthodologie, vous voyez. Ouais, bah allez-y. Ouais, non, je pense que je vais aller à gauche. Je pense qu'il y a plus rien ici. Après, du côté droit, il y en a qui sont vraiment sur des collines ou entre des dunes, et du coup, c'est pas très visible. Tu verras bien de toute façon hein, ce qui te manque. Je verrai ce qui va me manquer à la fin de mon inspection. Puis bon, si t'en manques un, effectivement, tu peux juste revenir plus tard quoi, pour en faire un. Quoi. Voilà. Ça va me perdre du temps. Ouais. C'est vrai que j'avais des zones grises prohibidantes sur ma map, genre. Mais c'est vrai qu'en plus, ça vaudrait mieux revenir plus tard, on aura les glissobots. Oui, aussi. C'est vrai qu'il y a ça qui fait que... Mais en même temps, tout l'argent que t'auras vaudra moins cher, entre guillemets, vu que tout coûtera plus cher. Donc les ramasser te rapportera moins, quoi. C'est l'inflation. Bah c'est ça, quand t'auras des armes qui te coûteront 300 000 à acheter, bah 100 000, en faisant tout, ce sera plus grand-chose. Ouais, ouais, tu vas dire, oh, pff, finalement c'est pas ouf. Hein. C'est alors qu'à ce stade du jeu, ça l'est, quoi. Oh, ça achète une arme. Ou trois, si t'achètes toutes les autres. Tout le reste des armes du jeu, en fait. Ah, 56 rari. Non, j'ai quand même confiance en ma méthodologie, là j'en ai déjà 91, donc et j'ai clairement pas encore tout visité, donc tu dégages toi. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas l'endroit le mieux pour farmer le rari.
Ah mais on les a pas les manettobots. Ah c'est après, c'est peut-être là qu'ils les donnent, je sais plus. Oui non mais je suis dans le vaisseau et c'est. Je sais plus où c'est qu'on les chope en vrai. Je me souviens plus du tout. C'est peut-être la prochaine planète. Ouais. Parce que l'arène c'est les glissobots, justement. C'est pas les magnéto. Ouais, il y a moyen que ce soit la prochaine planète. Puis c'est pas vraiment l'arène qui te les donne. Si jamais. Ouais, c'est bon. Ah, les souvenirs faussés là. J'ai des faux souvenirs. Je vais en parler à Naminé. Attention Naminé, tu Attention Naminé, tu recommences, tu le tombes dans tes travers. Mais bon. Avec les 62 rari, les prochaines phases en vaisseau, ce sera un peu plus agréable quoi. Tu vois shot tous les ennemis à l'écran quoi. Si j'en ai 100, je me demande ce qui se passe, est-ce que le jeu explose? Ah le compteur ça dépasse. Ouais c'est ça. Le X disparaît. Ah non y'a pas de X. C'est le mec qui a évalué là le jeu, il te dit t'en as besoin de 10 et il dit oh il en faut 100. Il a lu un truc de 1-0 trop. Oh là. C'est long hein, quand même tes conneries là. Oh, c'est un peu de la merde, faut tout faire dès le début du jeu. C'est long. Cinquante-neuf. Et non, pas le 60. Pas le 69 surtout. Ah non. Et merde, ça y est, repartir viser n'importe quoi. Ah pourtant j'essaye hein. Je m'applique hein, je vous jure, je m'applique. Je donne tout ce que j'ai hein. Bon, 95. Allez, courage. Bah 90. Oh bah. Oh 98. Ouais, oui, t'en as des fois. Il y a un endroit où il y en a 4. C'est bon, j'ai mes 60. Viens là, Slim Conny. Ah, mais attends, il y a tout. Ah, il y a tout là, hop. Je ne réfléchis pas, hein, voilà. Ce serait court de mourir, quoi. Nucléaire détonation. 98. Ah va-t'en. Oust. Sale bête. Ouais, là tu vas être riche après. 4. Attends. C'est pas encore fini, il y a l'oasis. L'oasis, je pense que j'avais tout fait. Ouais, il y en a des deux dessus là. Bon du coup il y a là. La nuque c'est efficace, hein, effectivement. Ça détruit même les astéroïdes. Ouais, quand même. Après, il y a les bords que j'ai jamais vu. Hein. Ça se peut que ce soit un bord. Ouais, il n'y a rien dans le bord. Mais il y a le bord tout en haut, ou c'est tout en haut d'une grande colline. Il y en avait un. Tout en haut au milieu. Ah bah du coup. Mais tu l'as fait sûrement. Vu ta map. Ouais, je dirais peut-être en haut à gauche là. Ouais. Bah ouais, c'est ce que je crois aussi. Après ils apparaissent pas non plus de tout proche. Hein. Ouais. Putain mais donne-moi le pour une fois que je veux le autre chose que le seeker. Allez voir les mods chez Sleep Cognito. En même temps après je peux revenir plus tard, hein, c'est pas grave. Oui au pire. Mais ouais dans la grande tranchée j'en ai pas vu moi.
celle qui fait tout le tour du truc. Ouais, ouais. Oh, bah écoute, il y a à gauche là, il y a des petits trous là. Il y a à droite là aussi un petit peu, mais. Ah, peut-être à droite aussi. Il y a au milieu. Ah, attends. Je peux voir un truc briller. Ça y est, c'est le moment où on devient fou. J'ai acheté un peu de mod. Il y en avait pas pour le pistolet à lave, malheureusement. Ah. Hélas. Bon, effectivement... Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose par ici. Mais j'ai toujours pas une. Une. Mais c'est pas possible. Voilà, enfin. Et ça redonne que 20, quoi. Après, ça se trouve, c'est au milieu, hein, juste. Bon, vu la map que t'as, je pense pas que t'as des oublis au milieu, là. Ouais, c'est peut-être un endroit où t'es mort après aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non. De souvenirs quand j'étais mort, je suis revenu à chaque fois pour récupérer. Ouais, I don't know. Oh, je regardais côté droit et si je trouve pas, tant pis, je reviendrai plus tard. C'est oh, ah, non. Il s'est accroché, mais non. Ah, oui, mais c'est au truc du planeur, mais j'ai pas envie de revenir là. Je vais aller revoir le milieu vite fait. Du coup, la barre de vie paraît tellement petite maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, commencer à aller à topo. Ah. Partir en éclairure. Vous partez. Ouais, non, effectivement, je n'avais rien oublié. La salle, non, c'est un... Ouais. Non, c'est dur, mais, c'est... mais c'est peut-être genre derrière une colline de merde, là, dans la partie de droite, là. Ouais, bah oui. Comme ça, comme on voit pas le relief, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle arme? Oui, il y a une nouvelle arme, mais elle est beaucoup moins chère. Je vais pas l'acheter. Vous êtes devenu pareil. Non, parce que... Bah, il y a mieux à acheter. Coûte combien? 25 000. Oh, bah, d'accord. Ah, d'accord. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu le vois, là? Regardez sur la carte. Hein. Ouais. Ah. Effectivement. Incredible. Il y a les deux ou juste un seul? Ah bah juste un seul bien sûr. Mais bon, à mon avis le deuxième ne doit pas être très loin. Avec la méthodologie. Mais comment ça se fait? Il est... Non mais c'est parce qu'il y avait Trade for 10 Crystals qui était là, donc je voyais pas si c'était grisé. Ah, c'est possible là. Bon, ça suffit. Dégage. On va faire le truc chez en premier là. Allez-y. Un quick select. Enlever ça. La petite tranchée de la mort. Attends, je vais vérifier sur les RA, c'est quoi le point de comp. Parce que je me souviens qu'il y a un point de comp bien débile. C'est quoi cette joke? Non, c'est pas Dobo. C'est Dobo. On prend pas trop là. Quand il n'y a plus les cristaux, c'est vrai qu'on s'emmerde. Passer tu te bats dans le désert quoi. C'est donc sabre et ça se raide. Ouais.
ça va être dès le début. Salut Renifex. Hello. Salut. Votre nom me dit quelque chose, j'ai l'impression que ça fait longtemps. On s'était point vu. Ouais, ça se trouve, c'est un ennemi. Hein. Du coup, bah. Alors, faut tuer tous les ennemis de la planète avec des armes de Ratchet A. Mais pourquoi? Parce que c'est un skill point. Bah, du coup, je vais pas le faire maintenant. Vous permettez de ne pas le faire, ouais, voilà. Que de mémoire, ouais, c'est vraiment des trucs chiants sur cette planète, les skill points. Il n'y a pas un cristal en mode c'est le tuto. Ah bah voilà. Un petit bout de merde que j'avais pas vu. Dans mes belles bouboules là. Le compteur a explosé. GG. Vous avez débloqué. Merde, j'ai pas lu. New outfit. Quoi? Bah si tu vas dans le menu là, je pense, ça doit être. Ratchet as a big head, Ratchet in a tux. Ah oui, Ratchet en costume, let's go. Ah ouais. Les souvenirs de ouf. Ah mais c'est vraiment un jeu incroyable. Ouais. On faisait une déguisée en agent Smith là. J'ai compris. Bon bah ça va, le compteur explose pas tant quand on a les 100. Ouais, c'est bien fait hein. Par contre, c'est pas la VF malheureusement, Renifex, on est obligé de jouer en version américaine. Ah, c'est triste. C'est comme ça. Ah, oh, 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 oh. That was pretty impressive. Bring me more crystals and I'll pay you cold hard bolts. Huh? Oh. L'arme est bien efficace au moins. You can earn fast amounts of bolts. Et hop là. Ouf. Il n'y a plus de cristaux dans le désert. Ah. Par contre, je voulais juste savoir. C'est combien le cumul, la somme que je dois réunir? Ah, c'est 2 millions. Ouais, ouais, mais avant 2 millions, il y a un autre nombre, c'est pas possible. Je crois pas. Sur les 2 millions, tu les auras, mais en U-Game Plus, quoi. Ouais. 500 000, mon cumulatif. Oh, mais est-ce que j'ai vraiment envie de... Oh, j'ai pas envie de farmer 500 000 balles. Non. Hein. Bah non, on le fera, ça va être long, quoi. C'est ça, quoi. C'est T'as ça. Pas fini, hein. C'est à la fin du jeu, quoi, peut-être. Ah ouais, à la fin du jeu, effectivement. Et tu vas galérer, quoi. Allez, c'est parti, en avant. Par contre, l'armure, c'est quand? Pas tout de suite? Bah, tu verras. Parce que l'armure... je rappelle qu'il faut pas que je les rate, hein. Oui, bah tu verras le vendeur, de toute façon, ta armure. Ouais, c'est chaud à choper. Bah là, c'est parce qu'on joue avec des Retro Achievements, c'est ça le petit... ça, c'est ça le petit truc que tu as vu là. Ouais, donc c'est fait avec l'émulateur et c'est compatible juste avec la version américaine. Ouais, parce que la version américaine du 2, il n'y a pas la VF, alors que tous les autres jeux de PS2, il y a la VF dans les versions américaines. Ouais, Captain Quark, ça fait longtemps. Et oui. 6 millions de boulons. Milliards. Ah, c'est avec Billions. The one-time hero, now full-time Zero, was placed in custody awaiting trial. But the next day it was discovered that he had escaped, flushing himself to freedom. Ah, mais c'est enfoui, quoi. Behind the hero after these messages. What a nut. I almost missed l'envers des héros. Ah, sacré corps. Peut-être qu'on va le croiser dans le jeu. Hein. Oh, ce boost de nanotech là qui trigger. Alors. Mini roquette tube. Ah. Bon, en vrai, le sens des priorités. Pas le mini roquette, il marcherait bien. Hein. Ça one-shot à peu près tout. Hein. Tu l'as acheté pris, mais... bah avec quel argent? Bah, j'ai pas le lance-bouboule, moi. Ah,
Moi j'ai le lance Pepperl. Puis j'ai acheté l'armure aussi. Où elle est l'armure? Pas possible. Vous êtes aveugle, man, voyons. Ah, arrêtez, hein. Je vais la voir dans la planète, c'est ça? Ouah, elle était juste devant toi, quoi. Non, arrêtez, dites pas ça, c'est pas vrai. Ah, si, si. Un petit énigme, ça faisait longtemps. Bon, nous nous sommes fait repérer. Ah non, c'est bon, nous ne sommes plus repérés. Et du coup, ouais, là-dedans, faut tuer tous les ennemis, là, de... avec des armes de merde. Là. Ouais, et aussi à l'extérieur, de ce que j'ai compris, mais il me semble pas que c'était à l'extérieur. Bon, qu'est-ce que je peux monter? Ah oui, oui. Alors, il va bientôt level up, hein, mon machin. Ça coûte cher. I think I see the problem. Ça me rappelle quelque chose. Pas qu'elle pue cette galaxie. Elle pue. Bah c'est ouais. Pas le meilleur niveau du jeu. Ah, ouais. Ah, c'est caché. Peut-être qu'a dit le galaxie en général, c'est de la merde. Ah, c'est caché. Ils sont bien dociles. Mais j'ai activé personne, j'active aucune alarme. Hein? D'accord, le vide me touche maintenant. Bien joué. Mais j'avais souvenir que cette planète était chaude, me souvenir. Ouais, un peu. Oh mon dieu! Un char d'assaut! Vas-y. Qu'il est naïf. Ah mais je vais... C'est bientôt. L'XP c'est tout bientôt. Perspective man. On arrive bientôt à la fin, non? Ah bah oui, on est à la fin. Oh, ça a été vite. Ok. This must be the core terminal. Let's see what we can get from it. Du pognon. You're right. I better call a maintenance bot. Ah oh ouais, c'est ça le mot de passe. Je me souvenais pas que c'était autant. D'accord. Ah mais. Ah merde. Et tu vois le nanotech? Oui. Ah oui, bah pour là, aller jusqu'au bout du parcours et faire demi-tour à la fin du parcours pour l'avoir. Quel plaisir. Oui. Bon, pourquoi je suis en cam Mario là? Cam Mario rapproché. Pour mieux voir. Pour mieux te voir. Moi. Oui. Ah, je me souviens que j'avais eu plein de mal dans ce truc hein, à l'époque. Ah, oh, ça va. Donc on y est pour aujourd'hui. Ah, le demi-tour, c'est là, je crois. Ok, demi-tour fait. Electrolyzer. Ouais, ça faisait longtemps l'électrolyzer. Non mais je l'ai... Oh, d'accord. Je l'avais vu, j'ai appuyé trop tard. Ah, maintenant, ça, le tout, c'est de réussir à choper ce nanotech. Bonne chance. Ah, je l'ai eu. Ça servait à quoi, d'ailleurs? Ah, bah j'ai réparé. Bah, je vais me planter, du coup. Avec une musique. Ah, du coup, il faut retourner au machin. Faut se taper. Mais il y a juste, ouais, le nanotech, c'est... Faut faire demi-tour avant d'atterrir, quoi. Ouais. C'est un peu...
I think I see the problem. Bon, ça peut aller en vrai. Now even the computers are charging us? C'est l'évolution du jeu vidéo. This galaxy loves. Dr. James T. Fullbladder reporting on Megacorp experiment number 13. This update is strictly classified. If you are watching this, you're fired. Early thinking held that the specimen was entirely docile in nature. Even overt provocation failed to incite it. But the late Dr. Putridson observed that natural levels of monster propanase in the experiment's bloodstream were triggering some remarkable changes. Attempts at neutralizing the specimen's violent tendencies were met with limited success. Our surviving staff recommend that the experiment be destroyed immediately at Megacorp's deep space disposal. Ouais, il est pas si gentil que ça, quoi. Ah, il mange les gens, quoi. The computer's log indicates c'est pas cool. The first to view that recording. So FizzWidget must not know. We've got to warn him. Yellow. Mr. FizzWidget, you're safe! Sir, brace yourself. We just saw a video of your experiment eating its handlers. I repeat, it eats its handlers! Ah, yes. Low fat, extra foam, no sprinkles. Mr. FizzWidget, do you copy? Anyone handling the experiment must exercise the utmost caution. No. Decapitated. Hmm? What? Oh, yes. Exercise my frontmost cushion. Ah! Sir, your experts recommend that the experiment be liquidated. We will meet you at your deep space disposal facility. Ah, yes, my cheap date proposal facsimile. Ah, la griffe Tesla, enfin, le seeker amélioré. Oh ouais, c'est tellement mieux d'un coup. C'est quarkastique le mot de passe. Ah, c'est quand même bizarre. Hein. C'est... Pourquoi ce mot de passe? C'est quand même bizarre cette histoire, hein. Sûrement un ancien fan. Il doit même pas être au courant que Quark il a dû faire de la prison. Là. Ah, je pense pas. Ouais, complètement gogol. Bon, c'est parti pour le nanote sec. En fait, ça fait peur, mais ça va. C'est bizarre, hein. Oui. Ah non, bah, je peux te dire que quand j'étais petit, je galérais à faire ce parcours, vraiment. Au final, là, c'est rendu facile, mais... Faut vraiment attendre la fin pour faire demi-tour, sinon t'as jamais la place. Non, mais... Pas une petite... Ah oui, d'accord, par contre, ça touche un pixel, c'est mort, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Ah, faut vraiment attendre la fin, c'est vraiment ça la strat? Ouais. C'est la soluce officielle, Megacorp? Bah, c'est la soluce de tous les sites de soluce, là. D'accord. Parce que ouais, j'avais regardé sur internet pour savoir, je t'avoue. Mm-hmm. Parce que c'est pas clair comme ça, là, qu'il faut l'avoir avec le planeur. Pas en faisant un demi-tour bizarre. Mais même les poulets tôt, les trucs de merde, ils arrivent pas à les tuer, les synthénoïdes, là. C'est bizarre qu'il y a plus de musique, par contre, ça me fait peur. Parce que c'est les moments épiques, hein, en planeur. Bah attends, je dois être au bout, attends. Là, tu fais demi-tour, en gros, entre les croix, là, qu'il y avait en plein milieu. Ouais, bah c'est ce que j'ai voulu faire tout à l'heure. Mais, ah bah j'aurais dû revenir, c'est pas grave. En fait, t'aurais dû commencer ton demi-tour plus tôt. Après, quand je vais arriver là, sinon, il va falloir que je remonte à droite, là, en mode super vigilant. Dans un pic, et puis ensuite, t'auras plus du tout de vitesse et tu vas te cracher au sol. Quoi? Une fois que t'auras récupéré le nanotech. Ah oui, mais ça, c'est pas grave que je meurs. Oui. Ah, ça y est, la musique est revenue. Ah, c'est mieux d'un coup. Non. Ah, mince. Wow, je suis passé à travers l'engrenage. Donc là, il y a le X de Xbox. Ouais, le X à la fin. Là, tu fais demi-tour à gauche vers la droite ou droite vers la gauche. Genre, tu sors d'un côté et tu rentres dans l'autre, là. Ah bah non. Il a pas voulu.
tu l'as pris peut-être trop serré, faut vraiment viser le bord du trou là, comme ça t'as bien la place pour tourner quoi. Oh c'est chiant quand même, cette histoire. Oui, je sais. C'est vraiment le seul nanotech qui est comme ça là. Vraiment chiant. En tout cas que je me souvienne. Ah merde, on peut pas la voir ça encore. À revenir plus tard. Ah. Après moi j'ai fait de la droite vers la gauche là en faisant dans le sens inverse. Peut-être que ça passe mieux, j'en sais trop rien. J'en sais rien. Ah bah but. Ah mais bah t'es mort. J'ai l'habitude de 3. Oh, ça remet au début. Ça a l'air d'être bien la suite du niveau. Bah, j'étais à la fin du chemin là. Le problème c'est que j'avais besoin de la dynamo et ensuite du swinger. Sauf que j'ai l'habitude du 3 ou bah, ça fait les deux dans le même truc. Du coup j'ai essayé d'attraper le swinger avec ma dynamo. Aïe 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 aïe. Et fait du coup bah je suis tombé. Il faut tout recommencer. J'ai hâte de tout recommencer. Oh bah, mon dieu. Je vais juste rusher comme un connard et puis ce sera très bien. Attends, bon, vers la droite, là. Là, le grand rond, là. Et là, je tourne. Ouais, bah, effectivement. Non ! Oh, mon Dieu ! Et maintenant, le plus dur, c'est de récupérer le nanotech à la fin, là, de bien le viser dessus. Là. Ah, c'est aussi de faire ça, visiblement. Oh, non ! T'as le truc, quoi. Ouais bah je vais le faire de la droite hein, apparemment, c'est vrai que ça a l'air d'être moins problématique par la droite. Toujours plus facile de tête de droite. ça y est, je le savais qu'il allait la sortir, j'étais sûr. Ah bah bien sûr, ah bah... Ça avait tendu une perche là, mais... Mais je l'ai hante. Elle faisait au moins 10 mètres. Hein. On prend besoin du swinger là. Ouais, il y a un côté agréable à ce vol, je ne sais pas pourquoi. Ah oh. Satisfaisant peut-être. Ouais, je sais pas. Ah mais à chaque fois je vais trop haut là, j'arrive pas. Ce passage là il est chiant aussi, hein, à l'envers. Ah ouais. Ouais. Bah, j'ai pas eu de problème et c'est peut-être parce que je l'avais déjà fait aussi, quoi. Je me souviens que j'avais la première fois que j'ai chopé le nanotech, effectivement, quand j'avais le rejeu sur PS3. Là. Pas non plus agréable quoi. Bah, je l'ai pas eu du premier coup quoi. Ouais, là. Jusqu'à 22 là. J'en ai marre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le fameux délai. Le délai de Zelda. Hein. Le délai du cerveau plus le délai de la manette. Voilà, bah c'est ça. C'est exactement ce que je dis. Donc c'est ça, tu joues avec une espèce de délai là. Ouais, cette fois on prend le swinger. Bon là ça y est, on a fait le plus dur. Un mathématicien. C'est où ? C'est en haut à droite. Non. je peux pas ouvrir la map. Ah, mais c'était trop tôt. Ouais bah oui, bah oui, c'est ça, c'est avant les. Ouais. Il y a la croix et il y a un gouffre, ok. Ouais ouais. Oh, ouais. Putain. Ouais parce que quand tu le sais pas en plus, c'est ça, c'est pas comme si elle était juste à la fin du retour, quoi. C'est... Ouais non. Ils auraient pu la mettre juste à la fin du retour, ça aurait été bien suffisant pourtant. Hein. Vraiment. Ouais, mais il faut qu'il fasse en sorte que tu puisses pas l'avoir à l'aller non plus, quoi. Ouais, mais à l'aller, on peut juste dire qu'à l'aller, quand tu sautes, bah tu passes devant et tu ne peux pas la prendre, quoi. Ouais, c'est vrai. On prend. Quand, oui, quand tu la déploies, c'est juste, elle était juste derrière toi, quoi. Ouais, voilà.
Qu'est-ce ouais, mais c'est... Ouais. Mais j'ai oublié, mais sinon, bah oui. C'est... Mais le problème, c'est si tu fais ça, t'aurais juste à sauter dessus. Et pas besoin d'y aller en plein air. Certes. Ce serait peut-être mieux. La musique est revenue. Pu... Même la musique, elle en a marre. Ils auraient pu revenir le mur du haut pour le voir de plus loin, effectivement. Par contre. Nous avons un nouvel employeur. Ah. Nous avons un invité. Voilà. Tu te souviens de nous ? Non. Non, pas vous. Non. Voilà. Ah, il faut gagner en faisant full carré, je crois. T'as l'air de t'éclater, Adé. Voilà. Je pense qu'il y a un point de comble des angoisses encore, là. Mais bordel de merde, oh, ce passage-là, c'est le pire, c'est pire que tout. Ah oui, en plus, mon CP, il est là maintenant. Bah, génial, vraiment, rien à dire. Hein. Non, mais t'es sûr que tu peux pas juste tourner à partir des croix du début? Oh, oui. Oh, ce serait plus simple, quand même. Ah, effectivement, ce serait plus simple. Envie de safe state, hein. Bon, en soi, tu peux, hein. En soi, j'ai le droit, hein. Ça donne pas de erreur. C'est juste une safe state pour récupérer ce truc, et hop. En vrai... Oh ouais, on se fait chier, quoi. Non, je perds trop de temps. Alors, je vais en faire une ici, déjà, avant ce passage de merde. Comme ça, au moins, allez, c'est bon, j'en ai marre. Je sauvegarde l'état. Je sauve l'emplacement. Vous voulez pas te tourner un peu à gauche en déposant? Il y a les croix. Donc là, il y a le gouffre. Donc c'est là. C'est juste là à droite, hein, c'est ça. En haut à droite, ouais. Ouais. Donc je sauve l'état. Attends bien de passer le mur, là. Oh, waouh. Non, c'était pour moi. Heureux. Et voilà. TG. Et voilà. C'est incroyable, le skill. Ah, GG. Ah, merci. Vous avez vu comme c'est impressionnant. Ah oui, d'accord, c'est le mégacorp jaune, l'armure. My bad. Oui. N'oublie pas de recharger, là, du coup. My bad, là-dessus. Regardez là, on sait jamais qu'il se passe une connerie. Ouais, bah l'armure te donne un IRA, genre. Sans que, notamment. Pas de bêtises, du coup. Succès. Bah, c'est encore... tu fais juste reset. C'est encore coché le mode hardcore. Ah oui, mais ça va, ça, c'est ça. Ouais, mais c'est qu'il commence à m'énerver. Il a enlevé le mode hardcore ou quoi? Ouais, là, c'est pas... ah. Bah oui, je le veux. Le mode hardcore ne sera pas actif tant que le système ne sera pas réinitialisé. Ah, il faut réinitialiser le système. Ah non, pas forcément. T'as juste à faire reset, là. Bah. Si la case est cochée, bah ferme l'émulateur, enfin... Ouais, bah, mais close reset, the game, là, genre, ouais, en pire. Voilà, là. C'est ça, hein. Juste... shut down. Yes. Voilà. C'est bon, là. Y'a pas bon, d'EPV bah voilà. Quelque part, hein. Allez, écoutez, c'est bon. Tout s'est très bien passé, hein. Voilà, nous avons fait ça pour le bien. Pour le bien des Retro Achievements. Ah.
Mais... Veux-tu bien cliquer dessus un jour? C'est possible. Où c'est qu'il reste des bâtiments de vivants, là? Ah, là. Reste un multiple. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une cutscene qui joue? Ah, c'est parce que... Ouais, c'est... That'd be an unethical conflict of interest. What kind of scum do you think we are? Say, that is a lot of bolts. Well, since you put it that way, I suppose we could undo our previous obligation. Ah, et donc là, il y a quelqu'un qui appelle Thug for Less. Et finalement, c'est ça, ça annule comme le contrat avec le voleur. Ouais, ils ont trouvé mieux, quoi. Ils ont trouvé mieux. Mais on ne sait pas c'est qui. Non. Ah. Pas le voleur, du coup. C'est pas le voleur. Le voleur était pas le méchant, je comprends rien. Angela. Anaconda. Eh oui. Choubidoubi de Wawa. Non. Appelle Angela. Au secours. Pourquoi j'ai que des samboulons dans les caisses maintenant? Hein? Attends, il se passe des trucs là. Ah, oh. Sur cette planète, tu gagnes beaucoup, oui. Ah, ok. Pas un bug, c'est. Ok, ok. Donc voilà. Ah, oui, mais attends. C'est vrai qu'il faut que je vois à quoi elle ressemble. C'est ouf. Special. Cheat. J'enlève mon tuxedo. Et donc là. Voilà. Oh, elle est belle en vrai. Ouais, jolie. Tétrafibre. Donc là, ça va. Je vais avoir une armure un peu moins ridicule. Le plus résistante. Mais je pense pas que je suis déjà la suivante. Non. Canboy in the armor pour le moment. Non, bah sinon, elle aurait été affichée directement. Ah oui, ça aurait enlevé. Donc on est obligé de les faire une par une pour les RA. Si ça avait été de moi, je l'aurais pas acheté. Hein. Mais. Bah écoute, on va rester un petit peu en tétrafibre là. Amusons-nous. Il est où le méchant? Ah, si c'était pas pour ce point de comble, ça aurait été fini depuis 10 minutes, quoi. C'est quoi votre point de comble? C'est à la fin du parcours, je t'expliquerai. Ah, ok. Je voudrais pas vous spoiler. Bah oui. Ah ouais, mais attends, c'est quoi? C'est insane, là? C'est quoi ce pognon? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu casses les petits trucs verts, tu gagnes 40, là. Bon, une fois de plus, le seeker qui montre ses limites. Hein. Ah, apparemment, j'ai réussi à agiter ma clé 500 fois seulement. GG. Putain, mais il m'énerve. Ça va courir. Ça va aller. Il faut savoir rester calme. Ouais, c'est long, quoi. Je peux pas lui mettre un coup parce qu'il fait que de courir. Ah bah enfin, viens au corps à corps là. Et elle va se revoler. Comment ça 4 lava gun? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi il me donne 4 lava gun? Ah, parce qu'il t'en manquait que 4 peut-être. Mais pourquoi il choisit pas? J'ai plus de balles du seeker, con. Il est con. Il est con celui-là alors. Oui. Ah alors. Tas de merde. C'est long, c'est long ces bêtises. Ah, c'est pas dur, c'est juste long, quoi. Te battre que à la clé là. Oh, mais ça va être bien alors. Là, il gagne de l'XP, le machin, ça fait plaisir. Là, il a rechopé des munes. Puis, je me souviens pas que c'était autant galère, quoi. Il y a un boss? Ouais, non. Toujours en plaisir les. Ah, ça c'est AD, hein.
Moi, c'est... là, c'est AD qui prend du plaisir en ce moment. Moi, ça non, va. C'est pas des rats, c'est les points de compte du jeu. Ah, bah, c'est dans le jeu, Wizra. C'est du jeu, on peut rien dire. Et il y a combien d'hélicos là, ça rend fou. Ce qui est bien, c'est que juste il me laisse pas le taper, genre il fait que de courir. Pourquoi le truc est invincible? Ah, il a beaucoup de PV, on va dire. Hatchet 2, c'est à chier. Attention, attention à ce que vous dites quand même. Oh. Attention à ce que vous dites si vous voulez pas avoir un ban, hein, quand même, parce que... Ça arrive vite, hein, ces choses-là, hein, en plus. Ça, le doigt peut vite glisser. Hey. Oh zut alors! Ramène-toi là, putain. Vite. Mais il a rechopé des munes. Il me rend dingue. Si moi aussi je pouvais attirer à distance, d'accord, là serait plus simple. Baf! Non mais elle va level up l'arme, c'est évident. Ça va, moi ça va bien. AD a l'air d'aller un peu moins bien. Ah ouais, ça va. Moi ça va pour l'instant. Bon, ce qui m'énerve en fait, c'est que je lui ai fait 90% de sa barre de vie tranquille et puis 10% il fait que tu fuir. L'arme veut pas level up, non, non. C'est compliqué. C'est interdit de level up. Oh, ça aurait été con. Putain, et puis tu tournes le dos 2 secondes pour Trigène, il va à l'autre bout du monde. Quand il peut pas se régène, quoi. Quand ouais. Sinon, on a des munitions un jour de quelque chose? Non. Ah. Yes, 2 balles de 6. C'est vrai que c'est extrêmement ce que j'ai besoin. Oh, ça pue la boulonnette, ça, là-bas. C'est quoi, hein? C'est d'où tu viens. C'est d'où tu viens. Ça sert à rien. Moi qui me sentais intelligent. Bon, une fois. Et non. Ah oui, c'est un boss, ça, je me rappelle de lui. Non? Pas un boss ce truc? Mais c'est AD! Mathématicien! Tu vois ça? Mais il faut faire. Faut casser tous les décors là. Et le faire qu'au coup de poing. Au coup de poing? Quel coup de poing? Tu verras. There's a challenger up there ready to reduce you to nothing. Ah bah ça y est, ça devient les jeux. Juste les lunettes sont pas assez grosses encore. Aïe 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 aïe. Ah allez, il a deux pèves, allez. Non, c'est vraiment, c'est une photo quoi, c'est ça, c'est une photo d'AD quoi. Ah c'est bon. Ah ça va hein. Ah, je l'ai battu. Ah bah oui, c'est, ouais, ah, c'est déjà ce moment. Oui. Alors, c'est punch, du coup, faut juste faire le punch. Punch, ouais. Et je sais pas si sauter lui à terre dessus, ça marche aussi. Juste le punch et faut tout casser aussi. Mais bon, le temps que tu le tues au punch, t'auras déjà tout cassé. MegaCorp Games. Par contre, pourquoi il y a l'armée Ils sont que pour ta gueule, hein, d'ailleurs, l'armée. Hein. Bah oui. Comment on saute? Bon, ouais, c'est plus des refills de vie, c'est croix. Bah, il n'y a pas de badge, moi. Ah oui, mais... Il n'y avait pas de badge. C'est des skill points. Cette planète, pour le coup, était vraiment du bon job. Dobo, c'est de la daube. Hein. C'est de la daube. Mais Joba, là, c'est un autre niveau encore.
Je vois, c'est la deuxième arène. Hein. Oui. On en part que la barre de vie, quand même, ça va être là. Oui. Et tu peux très gêner en tuant les petits hélicoptères là qui sont derrière toi. Ouais, t'as raison, en vrai, je vais un petit peu liquider les trucs parce que là. JPEP, oh, hein. Tu draines ta barre de vie comme jamais en plus. Il y a une petite vibe King Kong. Hop. C'est déjà mieux que les phases en plan que j'ai endu, hein, en tout cas. Bah, c'est un point de compétence de Ratchet & Clank, oui. Et c'est un RA aussi, parce que les RA, il y a un RA par point de compétence. Oui. Bah, au moins, parce que dans le jeu, les points de comp, ils te disent pas ce que c'est, ils te disent juste la planète où tu peux le choper. Les RA, au moins, ils te disent c'est quoi l'escape point. Donc, les RA sont bien. Ça vous dit? Non, mais enfin, ça t'aide à avoir une liste directement sans solus, entre guillemets. Mais il y a attends, c'est comment? Mais en soi, il est pas dur. Ah non, non. Mais c'est juste que bah, au bout d'un moment, il fait que de courir. Ah, et ensuite, là, sur cette même planète, il y a un ERA, enfin, du coup, un point de comp. Tuer tous les ennemis avec seulement des armes de Ratchet 1. Ouais, ça va être bien, ça. Ouais. Par contre, il est venu avec l'armée entière, c'est pas possible. Hein. Oui. Je pense que Ratchet se fait pas toucher, ce serait dommage une balle perdue sur Ratchet quand même. Bon, ça va, il a liquidé ses pouvoirs. Alors, mon petit gars. Vous aimez ça, les gars. Mais genre, en plus, la hitbox elle est pétée, quoi. Et rude. Alors, ça s'amuse à ce que je vois. Ouais, bah, vous voyez qu'il lui reste plus grand chose et qu'effectivement, il passe son temps à fuir, quoi. C'est moins fun. Au début, ça allait, hein, mais là, ça devient moins. Ah ouais, bien. Bah, quand il faut bourriner et que ça va, mais là, c'est juste courir après, te régène, courir après. Ah, d'ailleurs, faut que tu mets 2 minutes à réussir à lui mettre un coup, là. Parlant de régène, ce serait bien. Enfin, j'ai pas encore tout détruit. Je suis même loin d'avoir tout détruit, donc on sait jamais. Bah, je vais aller voir le truc de Peace with Jet, ça fera des missions secondaires à faire. Amusez-vous, hein. Merci, merci. Bah, attends que j'ai la nuke, ça va aller. Je suppose. C'est la bouboule. En plus, c'est un plaisir auditif, mais... Les petites mouches, là, qui traînent autour. Et il faut casser tous les buildings, aussi. Ouais, ouais, c'est ce que je m'applique. Je m'applique, ouais, vous voyez. C'est très jeune, aussi. Oui, oui, ouais, c'est ça. Ouais, mais le truc est bidon, quand tu peux lancer les missiles, quoi.
Ah bah, j'ai détruit tous les buildings. GG. En plus, j'ai l'impression, parfois, tu donnes des coups de poing et ça... Y a rien. Et lui, ouais, il a priorité sur toi, par contre. Tu vois, il fait un coup et toi, tu tapes aussi, mais il s'en fout. Ouais, des fois, il s'envole pour de la merde. En vrai, quand il s'envole, il y a un monde où tu peux le... réceptionner avant qu'il s'envole. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que des fois, quand tu lui mets un coup de poing, il a énormément de recul pour pas grand chose. Non mais là, genre par exemple là, quoi. Voilà. Oh, dégagez l'armée, c'est bon. On a compris, on peut passer à autre chose. En plus, il a vraiment une voix sensuelle. Oui. J'ai un méga cancer. Oh, genre là, j'étais pas dessus, genre là. Alors, c'est tout ce que tu sais faire. Je sais que t'as un combat contre lui ou t'es pas sur Clank. Et ça, je sais que c'est un combat horrible de mémoire. De souvenir. De mémoire contre lui, là, en mode, mais il est pas dans... Combat. Ouais. Tu dois aller sur les toits et tout, là. C'est un plaisir, je crois, ce combat-là. C'est presque angoissant, ce combat-là. Allez, il est presque mort. Et là, il fait un petit rayon d'énergie sans faire exprès. Ah, c'est ici qu'il faut tuer les 200 visiteurs. Ah oui, oui, t'en as une avec le truc, le touriste, là, ouais. T'as des petits robots, je me rappelle. Oui. C'est un petit robot de Fizzujet qui te fait visiter les trucs. Enfin, ça, c'est Sinaminel, elle m'a pas encore dit des bêtises. Pourquoi il se déplace plus vite que moi? Parce qu'il court vite. Ah, c'est ça, c'est moins il a de PV, moins c'est fun, quoi. Alors, Isra. Le plaisir. Ça va, imagine, il peut regagner de la vie, lui aussi. Ah, non, bah, elle serait laisse tomber. Ah, new challenge, le 2. Allez, c'est fini là! Bah voilà. GG. Vous êtes content? Non. Stéphane? Non. J'aime bien comment c'est Clank, vraiment Clank robot qui fait le trajet. Hein. Oui. Non, j'ai cru que c'était un boss, mais ouais, en fait, je suis con, c'est Quark dans la jungle là, du 3, j'ai cru qu'il ressemblait. Ah oui, il ressemblait un peu, j'ai cru que c'était ça, c'est ça que j'avais un souvenir d'un boss avec... Mais attends, il n'y a pas genre des boomerangs ou des trucs comme ça? Mais c'était... En fait, c'est Quark du 3, quoi. Aïe, aïe, mais tu m'as vu le faire, en plus. Mais vous savez, ma mémoire, elle est incroyable. Ah merde, il y a tout, il y a des courses de motards, il y a des arènes, il y a du fun. Ah oui. Du coup, les glissobots, en fait, c'est la course. C'est pas l'arène. Oui. Oh, fais chier. Keep it mega. Attention, méga, hein, pas autre chose, hein. Keep it mega. Oui, hein. Keep it mega. N'interprétez pas mal les choses, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Du coup, c'est bon, Isra, tu peux de nouveau t'amuser. Ouais, tu peux revenir là. Tu peux revenir. Allez, du coup, toi, t'es allé où? Je fais le rendez-vous là avec Fizzujet là.
Ah bon bah ok, je vais le faire aussi. J'ai tellement plus d'argent. Tout dépend. Tu t'en souviens des... du truc là, mais... c'est bien le fun. Enfin, le niveau, je pense que tu t'en souviens, oui. Ah, de ce qu'il faut faire. Oh merde, c'est ça. Ah, c'est ce niveau-là. Deep Space Disposal. Ah, mais suite du jet, ouais, mais... c'est celui-là que je parlais, hein. Oui. La dernière fois. Oh l'enfer. Mais c'est pas ça les 200 touristes, c'est pas cette planète-là. Ouais, non, mais tu débloques après. Ah, c'est-à-dire que je suis tellement en retard que ça. Non, bah en finissant ça, tu le débloques. Mais de toute façon, je suis encore dans la station, là. Je fais la mission 2, là. Attacking us! Ils sont où les piou-piou? Je les vois pas. Pas m'appelle bête pas. Ship upgrades are available at Slim Cognito's Ship Shack. Select its location on your galactic. Le jeu qui est en mode. Eh, tu devrais peut-être faire des upgrades. Ça a combien de vie la tourelle? Bon, tu fais un cycle sur chaque là. Bah, dès qu'elles deviennent bleues, arrête de les taper par contre. Bon. Ça tu verras. Tu verras pourquoi c'est chiant. Oui, parce qu'il répare. Voilà. Du coup, c'est en gros, faut toutes les mettre low life là avant de les casser. Est-ce que la caméra peut être encore plus dégueulasse? Putain, on se fait chier dès qu'on a plus de missiles là. Il est où le dernier? Non, genre elle allait pas exploser! Oh, du coup, je comprends l'intérêt des flammes bleues, hein, effectivement. Oui. Je vais y exploser au dernier, ça allait m'énerver. Mais il va gagner, hein. Il va gagner, vraiment. Ouais, j'arrive à dire. Il va gagner. Mais... il est où ce vaisseau de merde? Ah oh, putain, j'ai. Il a failli tous les détruire, le con. Hein. Trop bon. Mais pourquoi elles explosent? Pourquoi il y en a dès qu'elles explosent, ça va, il y en a dès qu'elles explosent, ça explose jamais. Terrible. Ça donne envie de péter des plombs. Et péter des boulons. Regarde, genre là, voilà. Là, il y a des flammes bleues tout de suite et l'autre non. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas si en visant la tête ça fait plus de dégâts, genre. Pas trop réussi à voir parce que j'ai l'impression que des fois en visant la tête ça faisait pas du tout de dégâts. Ouais, ça va, c'est pas très difficile. Oui, non, mais ça va, c'est juste un peu mieux. Faut être méthodique, quoi. Ouais, bon, bah là, du coup, c'est parti. Moi, bon, j'ai plus de. Une nuit qu'il en a plus. Ah, j'ai plus de nuit ici. Oh. Sir, you gave us an erroneous password. J'imagine que c'est comme l'autre là, tu dois avoir une boulonnade pour tout finir là. But sir, what about the commercial? I was great. Here, watch this.
C'est vrai qu'il est vraiment fêlé. Hein. Oui. Vous connaissez le scénario Wizrod De Going Commando. De Going Commando. Du 2. We offer guided tours to show you how our weapons are made. Ah, encore une course en anneau. À devoir faire perfect, hein. Yes. To protect you and your whole family. Ah d'accord. Je ah oui, ils vont tous mourir un par un, je me souviens. C'est Destination Finale un petit peu. Hein. C'est vrai. Ça c'est Five Nights, vous reconnaissez, c'est celle au ballon là, c'est je sais plus comment, Baby. Voilà. C'est... C'était vous avez les rêves, hein. Vous voyez ? Vous avez ? Moi, je l'ai, en tout cas. Sir, wait ! Mr. Fizzwidget, come in ! Perhaps we can still find him at the weapons facility. Au revoir, niveau de mort. Allez, voilà. Oh, ça s'en va déjà. Oh, que oui. Bah, je prends la boulonnade et j'arrive. T'es allé sur Joba, j'imagine ? Non. Je suis allé à celle des touristes, là. Ah, quoi, il faut peut-être d'abord faire... Peut-être d'abord faire Joba. Ce serait mieux. Oh, merde ! Over the bomb gun ! Ah, ouais, attends. Oh, non ! Le plasma coil ! Ah, avoir su, j'aurais attendu. Moi, je savais pas que c'était déjà maintenant, le plasma. Ah, fait chier, le plasma, c'est le meilleur, le plasma. À moins que ce soit... À moins que c'était dans le 3, vraiment, qu'il ait craqué. C'est dans le 3 qu'il ait craqué. Ouais. Ah. Bon, j'ai eu un boulot. Mais non, de toute façon, on va faire Joba, ouais. Il y a des chances que Joba soit la dernière planète pour aujourd'hui. Surtout oui. S'il y a l'arène, là. Non, bon. Et les bikers. Les bikers, c'est bon, ils vont attendre. Hein. Les bikers, ils vont attendre. Ça dépend juste... quel chemin tu fais en premier, quoi. Ah non, oh non, j'espère que j'aurai de la chance. Hein. Mais c'est un très bon niveau. J'aime bien. Oui, c'est joli. C'est très joli. Ah, oh, j'ai pas fait le perfect et du coup, j'ai pas eu. De toute façon, il faut d'abord qu'on monte tous ces trucs-là avant de pouvoir penser à acheter autre chose un jour. Donc, autant... Ah bah voilà, ça y est, enfin. HK-22 gun. Ah ouais, quand même. Attends, ah oui tires, ah oui, maintenant c'est x3. c'est mieux. Un peu. Et ça fait plus mal en plus, ouais. Enfin, déjà que c'était déjà bien. Bon, bah c'est parti pour le lava gun. Hein. Alors, attends. Ouais. Honnêtement, le seeker jusqu'à la fin du jeu, ça reste une très bonne arme. Oh, bah on verra. De toute façon, une fois que j'en upgrade une, bah je ne l'utilise oui, bah, plus. Hein. Ouais, bah oui. Ah mais boss. C'est les monstres de des bikers là, je les reconnais, c'est les mêmes. Oui. Tu vois Wizra finalement que c'est très fun. Wizra qui est là juste quand c'est du plaisir. Ah on finit par croire qu'elle aime juste le malheur. Ah faut croire. Oh merde les tourelles du 1. Il y a plein de boulonnades bien cachées dans ce niveau d'ailleurs. Ah, ma boulonnade, c'est bon, je l'ai. Revenez. Je pense qu'il y a une boulonnade pas loin où t'es là. Genre, si tu reviens en arrière, mais sur un chemin un peu alternatif. Au swing... Tu dois avoir un truc de swinger pas loin. Ouais, genre. Ou un petit chemin. Ouais, par ici. Ou c'est peut-être encore un peu plus loin. Ah oh oui, ici, dans la texture, là. Non. Oh merde, les ennemis sont revenus à la vie. Oh, c'était pas très bien, ce que j'ai fait, finalement. Je vais aller voir les bikers pour avoir les bottes. C'est vrai que quand t'as les bottes, c'est cool. Puis au moins, on est débarrassé du pire, comme ça, directement. Même si les bottes, ça te fait souvent mourir, parce que tu veux trop aller trop vite, là. Oh, y'a quoi comme arme? Ah, y'a l'araignée.
Ouais, l'araignée tu peux l'acheter là. Mais l'araignée c'est pas... J'ai aucun souvenir de l'araignée. Ça sert pour des boulonnades, ça sert. Je rappelle l'année d'avant, il y avait une boulonnade avec l'araignée. Allez, on va voir le bike. Bon, je vais pas faire toutes les missions tout de suite par contre. Hein. Mais par contre, merde. Je vais pas du tout. Ah, mais non, je vais pas vers le biker. Mais comment on y va au biker? Bah, il suffit de prendre le bon chemin. Bah oui, mais attends, bon, la carte me le montre pas le chemin. Hein. La carte te dit. C'est quoi? Bah, ça me paraît clair. Bah, Vizra, dites-moi c'est où. Mais pourquoi j'ai pas le droit de monter dedans? Le biker, c'est dès le début. Je me doutais que c'était dès le début. Tiens! Sauvage! C'était pisé. De toute façon, j'aurai un TP une fois que j'aurai trouvé l'arène. Oui. Mais c'est long. Le parcours est long. Ah non. Ah, je vais avoir mes potes spéciales. C'est vraiment la guerre par ici. Par contre, je sais pas où. Pourquoi je peux pas monter dedans? Je sais même pas s'il y a une boulonnade en fait dans ce parcours là en V. J'en ai comme aucun souvenir. Oh, supposé que non. Attends, où est-il? Il est là. Avec cœur! Oh, waouh! Ah, ok. Ah ouais! Pas mal! Pas mal! 18 sur 20 hein. Non, c'est... Ah, ça redescend, non. 18 sur 20 le jeu hein. Je suis revenu en arrière. Je me déteste. GG. Donc là, il y a un petit dôme. Le Domas. Ah, voilà. Comme ça qu'on l'appelle. C'est le Domas, hein, voilà. Et il y avait rien dedans. Ah, j'ai toute la vie qu'il me faut. Ah, le parcours est un peu plus compliqué déjà sur cette course. Oh non. Bah non, en fait. Oh, c'est Mario Galaxy. Ah. Je le connais. Je suis pris une boule de pique. Je le connais, Mario Galaxy. C'est un parcours avec des pièces violettes, ça. Ouais, je remontais. Ah, par contre, c'est long, hein, vos bêtises. Ça va, franchement, ça va le platforming. Oui. Bon bah voilà, on l'a le CP. Je l'ai trouvé le CP, Wizra, j'espère que t'es content. GG. J'ai enfin trouvé mon CP. GG, il a trouvé son CP qui lui correspondait. J'ai trouvé un CP qui me correspond, là. Ah bon, ça sera pour emporter, s'il vous plaît. Ah ah, je l'ai pris devant toi, mon petit. Allez, ah, bah c'est perdu. Ah ouais, mais... Vous pouvez pas ne pas me cracher, là. Si. Vous vieux get good. Oh. Ah bah, les portes, elles sont fermées les deux au même moment, c'est un peu compliqué.
passe à travers la porte. Faites un glitch. Ah, je vais faire ça. Oh la bagarre. Ah! GG. C'est un petit peu de merde. Tout va bien. C'est... Oh, oui, oui. Très bien. Ah, on dirait pas. Je vous ai mis, c'était des merdes, des merdasses. Oh merde. C'est dans le plan. Ah ouais, ça donne 64 de péter une lampe quoi. What? On peut passer à travers les lampes visiblement. C'est cool. Ah. Première nouvelle. Ouais, quand même. Bon bah, let's go, on va le passer à ma façon. On en est dans rien à foutre. Voilà. My way, hein, voilà. It was my way, comme le chantait Frank Sinatra, en pilotant cette tourelle, sa tourelle, hein, bien sûr. Bien sûr. Ah, lui, je me souviens. You going to the games? Yeah, what's it to you? Whoa, take it easy, chief. I ain't looking for no trouble. Just an honest man. C'est celui qui borde le telt. Oui. I sincerely doubt that. C'est vrai que Clank il a une voix d'ASMR. C'est pas... You're gonna need this levitator to get in there. Moi j'aurais dit ça pour Slim Cognito là. Levitator. Oh merde. Bon chance. Oh merde. Bon bah tiens, vas-y. Il y a une boulonnade sur le parcours. Hein. Prends-le. Time for me to relocate. Il y a une des tours où il y a une boulonnade là, mais je sais plus exactement où. Goodbye. It says here tab A goes into slot B. Okay, and then magnetize the graviton matrix, remove your left arm, what? And done. You do have skills. You know it. OK, c'est bon. C'est vrai que c'est un petit mécano après tout. Press X to fly. Hold down X to gain altitude. The levitator stops functioning when the fuel meter is empty. Ah oui. Ah. Ah, les charge boots. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est bon, on a trouvé l'arène. Va falloir y aller au moins une fois, histoire de comme avoir le TP. Là. Ouais, que ça te met à la sortie, du coup. Ouais. C'est parti pour le catch. Him. Ah non, il s'appelle vraiment Ratchet. Ils lui ont trouvé un nom. Enfin. Ah, il y a le boss de Mario Odyssey. Quel? Bah, la chenille. Ouais. On se souvient plus dans Mario Odyssey. Trop tard, araignée. Ah oui, c'est dans New Donk City, c'est ça. Ouais. Alors, on va aller chercher cette première boulonnade. Je préférais les versions 1. Et c'est là que la première arène, on la défonce. Ah oui, bah maintenant, oui. Enfin, un bout de temps, d'ailleurs, je pense. On peut la défoncer. Bah, depuis la... Ah, en vrai, je saurais pas dire. Bah, depuis qu'on a fait la... qu'on est arrivé au niveau du désert, je pense que c'était genre rendu... Moi, à mon avis. Alors, genre, avec deux planètes après, tu le détruis, le truc. Depuis qu'on a le seeker, quoi. Ouais, aussi. Ah oui, mais c'est vrai que l'XP, elle monte beaucoup moins vite dans cette arène de merde. Ouais. Ah, je viens de m'en souvenir. Ouais, c'est trop tard. Bah, tant pis. Autant finir le combat. Qui est quand même plus chaud que dans la première arène. Là, on voit qu'on a passé un gap, quoi. Je pense qu'il y a un point de compte d'aller jusqu'à l'arène avec la clé. Seulement.
je suis plus sûr. Je vais pas tenter. Allez, vas-y, petite araignée. Ah bah ça y est. Ah c'est bah les mains to the bot, c'est la reine. Ah bon bah. Ah voilà. Bah oui, effectivement. Parce que t'auras besoin juste après, je crois. Ah du coup, il va faire la cage pour l'infiltrateur quand même. Ouais, les cage match, c'est le bonheur. Ouais bah je vais faire la cage. Hein. C'est quoi encore? Oh wow. Alors vous savez que j'ai aucun souvenir de ce match. Ah bon? Oh mince. J'ai dû faire juste le requis et puis voilà. Hein. À mon avis. Je suis parti après, ok. Ah c'est legit. Hein. À mon avis parce que ouais, je me rappelle, j'ai jamais fait. Je me souviens de ne jamais avoir fait les. Les trucs, les trucs du désert, les trucs voilà. Tout ça, là, je sais que tous les trucs allaient, je les ai pas fait, ça je me rappelle. J'ai juste fini le jeu là. Pourtant, vous avez aimé le désert. Pourtant, ouais, ouais. Ah oh, bah c'est déjà fini, c'était de la merde. C'est de la chier. Quand vous parlez à oui. Des. Ah ouais, non, mais c'est juste sur d'un certain. Ah. Puis des fois tu vois rien. C'est un peu bugué des fois vu que t'es un peu dans les murs là. Ouais. Enfin sur des murs. Bon. Hop. Petite boulonnade. Ah bah oui, ça va être avec un taxi. Joe le taxi. Ah tu vas pouvoir voir. Ah le gameplay de l'infiltrateur. Attends, 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 que je me souvienne de comment. Connect the circuit back to the start to open the lock. Non mais je voulais que tu te la fermes. C'est avec le stick déjà, ça commence bien. Perdu. Ok. Ouais, je vois. Pourquoi je m'en souviens pas? Bordel de merde. Attends, je me pose des grosses questions là. Bah là, c'est plus du Die and Retry, le truc. Il y a des vrais trucs dont je ne me souviens point. Ah non. Arrête! Stop it! Ah c'est marrant ça, ça reste. Right now. Platinamo. Ok d'accord, je suis un petit peu. Je suis Tobeman, effectivement. Mais c'est grâce au taxi que j'ai vu le parcours. C'est bien fait, hein. Le LD quoi. Le LD c'est bien foutu, tu vois, il te montre le parcours en disant regarde petit con, c'est là qu'il fallait passer. Et là ah tu bon, le vois fixe. Et tu fais ah ouais. Il y a rien avec ces oiseaux qui sont un peu partout. Oh tu dois peut-être avoir un point de combe d'en tuer genre. C'est trop rien. Il y a une boulonnade sur le chemin hein. Pas celui du biker. Oh, ça veut dire que j'ai encore tout raté. Et je sais pas s'il y avait une boulonnade ou pas sur le parcours. Je l'ai pas trouvé, je me souviens plus où elle est. J'ai pas mémoire d'avoir fait les 5 challenges pour cette course-là, tu vois. Mm-hmm. C'est que c'est bon signe, je pense. Pour toi. I thought you was a crankshaft. Can't see my own hand in front of my face without these. No problem. So, how do I enter the big race? Well, you got the helmet. Oh, allez, le sticker là. Easy peasy. J'en ai marre. The prize this time is some kind of special boost. I could use those myself. They'd go real nice with my leather chaps. Ok, d'accord. Parti pour le overbike. Weapon turbo available, single turret active. Aïe 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 aïe. Bonne chance. Oh. Ah t'as déjà le gameplay en main de la moto, c'est pas. Comment on fait pour faire le turbo encore? R1.
Ah bah oui, tu vois que j'ai le gameplay en main. Tu vois à quel point j'ai la... Ah, ça apprend vite, mais ça oublie vite. Ah non, pardon, ça apprend lentement, mais ça oublie vite. Plus ça. C'est encore... Mais c'est pire que tout. Ah, oh là 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 là. Lévitature. Oh, celle-là, tu sens bien que je vais faire juste le requis et partir. Et roncer l'arme, c'est ça? Comment? Okay. Roncer l'arme? PDT. Oui. Ah oui, mais c'est parce que quand tu te craches, tu l'as plus. Ah, oh, c'est 20 000 le lévitateur quand même. Ah, quand même. Ah, c'est en blarque les instructions. Ouais, effectivement. Ouais, ça coûte cher, je trouve aussi que niveau pognon, ça commence à devenir cher ces conneries. Ouais. La planète avant c'était 10 000, là c'est 20 000. Je peux plus acheter mon lance-poupoule du coup. Ça fait rien. C'est carré. Ah, c'est sur quel tour qu'il y a la boulonnade déjà. C'était L1, l'arme, d'accord. Pourquoi pas. Ah, peut-être là, la boulonnade. Ah ouais, elle est là, la boulonnade. Ah ouais, je l'ai pas prise, la boulonnade. Toi, tu m'avais dit qu'il y en avait. Ah bah, il y en a pas dans la course, ouais. Ouais, c'est sur un des gros pylônes. Avec le lévitateur. Oui. Ah ouais, c'est ça, je l'ai pas prise. Et l'autre, c'est... Ah non, c'est pas tel début. Bah, c'est au moment où je t'avais dit de faire demi-tour, là, mais c'était un peu après, en fait. Et t'as un boost de nanotech aussi. Oh merde, ça c'est important par contre. Mais c'est genre vraiment dès le début là, la nanotech, c'est au niveau de la dynamo. La dynamo. Ça va ouvrir les yeux, tu l'aurais vu, je pense. C'est vrai que c'est... jouer les yeux fermés, c'est pas évident. Bah, c'est sûr quoi. Allez, bonne chance, Eldo. Le faire. Non. Tu es presque. Juste pas loin de te crash quoi. Ouais, mais c'est vrai que la reine t'ordonne pas de mune là, elle m'a même pas laissé le choix d'ailleurs. Ouais, non. Ah, les autres ils sont déjà partis hein, en fait. Je viens de voir ça, les autres ils sont. Ah, oh, ils sont partis. Ah, et pourtant, vous êtes quatrième, mais ce n'est pas... Hein, what? Ah oui, voilà. Ah, c'est quand même dommage, hein. Ça m'emmerde. Ah. Non, mais en vrai, c'est comme l'autre. Il suffit de juste jamais se crasher, quoi. Et c'est bon. Ouais, bah si tu prends le raccourci, là, qui est un peu... Tu sais, y a un moment où tu sautes, t'as deux chemins, t'en as un en hauteur. Ouais bah oui voilà c'est ça. T'arrives à le prendre, ça doit faire gagner pas mal de temps. Oh bah là, c'est et rater pas trop de boost quoi. Là en l'occurrence. Faut garder un boost. Hein. Faut garder un boost en fait pour pouvoir le prendre. Ouais bah ouais. Oh là ça va, je suis encore quatrième. Je sais pas à quoi ça sert d'aller là. Salut Papa Dragon. Papa Dragon. Hello. Vous voulez voir, c'est un jeu de course. C'est mon genre de jeu préféré. Oui. C'est quoi ton jeu d'hier soir? De hier soir, c'était un hack de Mario 64. Oui, Mario 64. C'était Mario 74, Tanier Aster, ouais. Et c'était en coop, c'était avec SM64 Coop. Un petit logiciel qui permet de jouer en ligne avec des gens. Sur Mario 64.
s'amuser à plusieurs. Si vous voulez savoir comment faire, Wizra pourra vous aider. Non, vous avez SM64 Coop et vous avez un truc pour le télécharger. C'est très facile à faire en vrai. Donc, ouais, t'as juste le premier lien sur internet. Hein. C'est marrant, 64 Coop. C'est vrai. Ouais, c'est un GitLab normalement, c'est ça. Hein. Un GitHub. Un GitHub, pardon. C'est vrai que GitHub, oui. GitLab. Qui reste sur GitLab, quoi? Personne. Là, sur les Steam. Ouais, c'est ça, regarde ça, tu te craches pas une seule fois, c'est bon, c'est gagné. C'est quand même fou. Ça va, ouais. Dans le 64 coop. Oui. Après, il va te falloir la ROM du jeu de base version US. Ça, je peux pas la donner par contre. Ouais. Mais au pire, attends, je vais envoyer le lien dans le chat après la course, comme ça. Ok, cool. T'as déjà fini le match en cage alors? Ah bah ça, non, c'est pas par émulateur. Non. Ça, c'est une version PC. Ouais, dans le fond, en fait, ce que ça fait le programme, c'est ça. Ce que fait le programme, c'est qu'il faut la ROM, et il va compiler la ROM et faire le... Et l'installer comme sur ton ordinateur, il sera comme une appli PC, en fait, à lancer. Tout simplement, il n'y aura pas d'émulateur, etc. Mais il a besoin de la ROM pour pouvoir compiler comme le jeu sur l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Ça prend du temps à faire. Pas de panique, c'est normal. Ça prend du temps à faire. Oui, ça prend genre 10-15 minutes. Ouais. Ouais. Bon, c'est bon, je peux sortir, c'est fini. On va télécharger tous les deux. Ah, il faut. Non, attends. Je sais plus, c'est quoi? C'est Wizra qui m'avait expliqué. Je pense que t'as un truc genre tout en haut. Télécharger le zip là. Non, attends. C'est où? Bah sur GitHub en général, t'as la petite flèche en haut à droite. Ouais, là, oui, mais attends, Wizra l'avait dit, c'était un truc Easiest Way, non, c'est pas ça? How to play Easiest Way, c'est pas ça? Je sais, c'est plus Wizra qui avait expliqué, je sais plus moi ce que j'ai pris. Je me souviens plus non plus. Non. Faudrait demander à Wizra, elle est dans le chat tout à l'heure. Parce que je pense que c'est en bas, c'est How to Play et c'est Easiest Way is to download Coop Compiler. Mais... Je pense que c'est ça. Oui, c'est dans ça. Le README tout en bas, c'est peut-être, ça. Ouais. C'est README, How to Play, Easiest Way to download Coop Compiler, c'est Coop Compiler. Je pense que c'était ça. C'était ça. Du coup, c'était quoi ce GitHub finalement, si c'est pas ça si on ne doit pas le télécharger. Oh là là, oh non. Autant la première fois, oui, autant là, j'en peux plus. Hein, j'en peux qu'est-ce plus. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la course, les courses de bikers, là. Ouais, surtout que ça sert à rien, là, c'est de l'argent, quoi. Y'a pas de point de compte, y'a rien. Ah, si, il doit y avoir un point de compte de le faire à un certain temps. Non, c'est pas un parrain. Oh, c'est pas grave, hein. Voilà, j'ai fait le lien, j'ai fait le nécessaire. Je l'avais dit en plus, AD, j'allais le mettre. Oui. Ah oui, Zraf, pouvez-vous expliquer à Papa Dragon ce qu'il faut télécharger pour la coop? Parce que moi, je me souviens plus. Oui. C'est votre truc, là. C'est votre jeu. Hein. C'est votre jeu, après tout. Hein. Oh, la fête. Ah bah écoutez. Ah, mais nous, on sait plus. Ah non, on sait plus, c'est quoi? C'est pas le guide, c'est au GitHub, c'est pas tout. C'est pas tous les fichiers, c'est juste How to Play et c'est Easiest Way, c'est le Coop Compiler, c'est ça. Bon, on a le temps de faire quelques petits matchs et après on va y aller. Hein. Moi je vais partir, je vais me couper les cheveux et je reviendrai peut-être après, mais pas en stream. Voilà. Ouais, parce que c'est déjà dans 40 minutes. Hein. Ouais, ça passe vite le temps quand on s'amuse. Ah oui, oh, j'ai raté le 4h10h en 90 secondes. Quelle nullité. Bon, à 100 jours, mais...
Quel genre? D'accord. Oui, d'accord. Ah, pour en mettre des toiles. Les toiles. Ah, si elles veulent bien tirer. Hein. Easiest way to farm the pognon. Hein. C'est comme ça que vous faites. Alors allons-y, faisons des matchs. En plus, c'est pas dur, c'est vrai que c'est tout simple. D'habitude, les multi, c'est un enfer à installer, oui. Et là, c'est comme, ça passe comme à rien. Bah, c'était plutôt à faire fonctionner plutôt qu'à installer, qui était compliqué à chaque fois. Pour le Mario, on verra ça. Oui, oui. Ah, il y a une araignée. Oui. Ah! J'imagine un truc faire ce boss sans se faire toucher, je l'ai pas fait encore. Il y a d'ailleurs 2-3 trucs. C'est des trucs gentils ou pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, c'est des bonnes nouvelles. Ah! Bah en vrai, je veux quoi faire et je reviens après à. Une heure quoi. Voilà, une ça, heure, c'est ça, heure. Oui, d'ici, ouais, devrait faire peut-être une heure du. Ah ouais! De une heure et demie, je suis là quoi. Juste en rapport avec toi. D'accord. Attends, j'ai déjà plus de balles là. C'est quoi cette arnaque? Bon, vous savez ce qu'on va faire, allez hop. Hein. Bon, je ne négocie pas avec les araignées. C'est... Comment t'esquives ce truc électrique là? Quel truc électrique? Bah, son attaque électrique là, ah, envoie des rayons électriques. Comme ce que j'ai fait. Mais je peux pas sauter. Moi il voulait pas sauter. Bah tant pis pour moi. Bon les tourelles, ça va, le chômage. Comment ça se fait que je les qu'elles font. Pourquoi ça leur fait pas de dégâts? Faire plus de ville machin. Ah, moi j'ai pris le lance-roquette là, ça ouais, a détruit. Ouais, c'est vrai. Ouais, même quand on en a 3 balles, ça continue à viser, à pas viser ce qu'il faut. Ah par contre les munitions ont baissé, il y a moins de munes dans le nul extra. Bah c'était combien avant? 25. Ouais mais bon t'as 3 fois plus, 60, ça va. Entre guillemets. Attends, c'est peut-être pour le nerfer. Le truc perd plus de vie là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ah, par contre les ennemis font quand même bien mal. Ça t'enlève un cercle entier. Ça Clément dure pas longtemps. Bon, t'as juste à te battre avec le pistolet à lave là, il y a tourne en rond. Ah ouais. Mais bordel de merde! Reviens, allez hop. Voilà. La tourelle! La tourelle! Tourelle, s'il te plaît. Pourquoi il lui reste 2 PV, j'arrive pas à lui enlever? Putain, je m'étais pas fait toucher! Quelle douillasse! Allez, j'achète le lance-boule. L'araignée, je crois jamais la pas de façon. Après, je vais prendre le lance-boule à la place de ça. T'as tout ça. Tout ça pour ça. Oh, il y a un dégât, un truc où il faut pas se faire toucher. Bah... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché. Pardon? Vous avez réussi l'impossible? Vous faire toucher? Ouais. Par contre, le truc bouge trop vite, le lance-bouboule, il suit pas. Ouais, il est tombé dans la lave directe. Le gros de nul. Le lance-bouboule, c'est puissant. Pas vraiment.
Oh, ça va. Mais en fait, le problème, c'est qu'il arrive pas à toucher. Ce qui est un peu gênant. Voilà, il y a plein d'ennemis d'un coup, voilà. Oh. Ah, allez, touche-le, là, saleté. Ah non, l'XP, t'as rien. Il y a peine en 3 minutes. Bon, ça va, je viens de le faire en 1 minute, là. Non, il y avait un lance-flamme. Ah non, un chaton, vous recommencez pas. Hein. Ah, ça y est, c'est chiant, ça, les trucs en mode fais-toi pas toucher. Là, on dirait un rétro-achievement, quoi, le machin, tellement ça fait chier. Ah, je sais pas, j'ai pas eu de problème. Parce que c'est 90 secondes que j'ai perdu une fois. Je sais pas, je fais la lave, et ça marche pas, hein, la lave. Ah non, 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 non. Ouais, en même temps, il faudra que je vous nourrisse, hein, moi, après. Avant de partir. Ce sera important. Ça va être sympa. Attends, what? C'est quoi la portée que t'as? Rien du tout. Ah, mais ouais, mais moi, je me disais, c'est une petite boule, mais ils ont un fouet, c'est genre Simon Belmont, quoi. D'accord. Il faut viser par contre. Voilà. J'ai effectivement remarqué que la visée n'est pas aisée. Ah, surtout pour le mégapède. Ouais, mais non, je sais pas, le mégapède, au début ça allait, après j'arrivais plus jamais à le toucher. Le truc était horrible. Wrench only. Parti. Wrench only, ça va. Ouais, en plus on a notre clé améliorée. Non. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'elle fait toujours pas de dégâts. Hein. Caméra. D'accord. Non. Au moins c'est un round pour gagner des mules, là. Allez, prends ça dans ta gueule. Le petit biker. Oh, ça a été. Il suffit juste de pas être con. Ce qui n'est pas facile. Alors, retour de la King. Ah, mais ça me donne de l'XP quand... Ah, c'est bien, ça. Quand ils meurent là? Ouais. Oh bon. Ah, ça compte comme si tu les avais tués avec l'arme, genre? Oui. Craqué. C'est malin. Bon, après, ça donne pas énormément du coup. Yes! Ça, ça y est, le Meteor Gun. Ah, mais c'est peut-être, c'est peut-être moins bien en fait. Ah, 1000 coups de clé. Ah, mais c'est pas bleu? Je me souviens que ça devenait bleu quand c'était upgrade, c'est quoi ces conneries? Bah, c'est dans le 3 alors, non? Ah, mais c'est moins bien! L'upgrade est moins bien? Comment ça? Bah, c'est plus continu! C'est devenu un truc qui fait des projectiles! Dommage. Oh non! Oh, eux, à la clé, c'est. De nanotech a augmenté. Yes, let's go. Lancer all enemies in 60 secondes. Ah, c'est avec le lanceur. Ah merde. Encore. Le retour du lanceur. C'est pas mune limitée. 90 c'est ennemis. C'est du temps, quoi. Bon, en vrai. Bon, du coup, je vais remettre le lanceur. Ça, je vais le remplacer. Bon, ce que j'ai pas upgrade encore, c'est le bouncer.
que je vais tester maintenant, je pense. En espérant qu'il marche bien. Ah, il marche bien quand même, mais il y a un peu de mal. Bon, c'est combien d'ennemis? J'ai oublié. C'était 29. Trop. C'était pas 30? All in. Ouais, non, c'est 29. Ah, le défi impossible. Déjà? Ouais, non, du coup, non, bah non, du coup. Je sais pas si dans ce jeu là c'est sans manche là, mais je suis pas prêt. Hein. Pas maintenant. Ça donne à mon avis, il faut. C'est pas la bonne arme pour tuer vite. Ouais, je vais partir alors. Faire mon petit puzzle là, infiltrator. Vas-y. Ouais, je pense que. Ah ouais, merde! Ah oui, je l'ai plus. Bon, déjà. Mais ouais, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de défis dans l'arène. Ouais, c'est déjà la fin. Ah, impossible, c'est le dernier. Ah oui, bah oui, c'est un même point. C'est même un point de compte. Faut que ça donne 200 000 en plus. Est-ce que le jeu va ramer, vous pensez, à force? Bonne question. T'as pris quelles armes pour tuer plein d'ennemis vite? Parce que moi je sais plus, je sais pas. J'ai pris le pistolet à lave. Ah ouais. Peut-être que c'est ça mon erreur, c'est de l'avoir. Ah, j'en ai tué 79 quand même. Bah, avec le truc à tête chercheuse, ça devrait aller pas mal vite aussi. Le nuke là. Nuke? Voilà, la lance-grenade. Je l'ai pas, je crois. Je pense pas que je l'ai pris. Bah si, c'est le deuxième. Ah, ouais, mais c'est pas la tête chercheuse. Oui, mais ça marche aussi. Oui. Et je parlais aussi du quatrième, la tête chercheuse. Tu me dis tout, ouais. Oh là, le problème, il est là, quoi. C'est que vu qu'il est upgrade, maintenant, c'est devenu de la bite. Quand même dommage. Avoir su, j'aurais pas upgrade quoi le machin, hein, regardez ça. Regardez comme c'est devenu moins bien. J'hallucine que le truc est devenu moins bien quoi, c'est la première fois que je vois ça. L'arme est moins bien. Ouais, Pierre, non, je vais pas faire de la moto. Y'a quoi en backtracking? Y'a deux cours. Et en Daco. À ce tour. Ah! Il y aurait Mega Corp Outlet à Ouzla aussi. Bah, je vais aller à Dobo, là, chercher la boulonnade. Ah, il y en a deux. En vrai, on ne peut pas revenir au stade arrière, au stade avant. Parce que c'est devenu de la grosse merde. Hein. Ouais, bah en vrai, je vais le faire au lanceur, hein, et puis tant pis. Hein. Je vais le faire au lanceur et prier, hein. Ouais, bah c'est ça, c'est devenu un petit peu... un petit peu obsolète, on va dire, le lanceur, maintenant. Ah, il y a deux boulonnades, elles sont où? Ah merde, hein. Je me souviens d'une, mais... L'autre. Ah non, ouais. Bordel, il aurait fallu la faire avec la le truc de lave de base en fait, c'est pas... Ouais. Ouais, après c'est pas non plus... Bah merde quoi. Indispensable, hein. Il y a du flas d'ennemis qui était pas... Pouf. Après, il meurt en genre 2 balles, même les plus gros ennemis, là, mais bon. Ouais, prends l'arme, ouais, le lance-grenade, là. Ce sera très bien, à mon avis. Pourquoi ils sont regroupés? Ouais, attends.
Et sinon, tu spams les mines de trucs à tête chercheuse là. C'est vrai qu'il y a ça, vraiment. Ah, je sais pas, moi je suis perdu. Hein. Vous savez, je suis perdu rapidement dans un jeu vidéo. Je vois ça. Oh, je suis perdu là, vous voyez, les challenges là. C'est pas facile. Complètement bouleversé, quoi, vous voyez. Spider Glove, allez, vas-y. Elle est où? Elle est là, la boulonnette. Je peux pas la ramasser? C'est dommage. Ah, la clé, elle fait aussi du bon travail. Oh, toi, toujours lui, hein. Toujours un qui ne veut pas se faire toucher. Ça veut dire il y a une boulonnette dans le parcours avec le planeur sur Dubo. Oh non, hein. Et je vois pas où, c'est ça le problème. Et c'est clairement pas en clanque géant, là. Ouais, bah non, là, on a tout détruit. Je vais partir en éclair, enfin, je vais chercher. Ah, je ne suis que 84. C'est horrible. Non. Courage, Zelda Kun. C'est horrible. Non, mais si j'avais... Ce qui m'énerve, c'est que si je l'avais eu le base, c'était facile, quoi. Mais là, je l'ai pas. C'est chiant. Elle est vraiment moins bien en améliorée, quoi. Je te jure, ne l'améliore pas tout de suite, Adé. Hein. Vraiment, hein. Tu vas vraiment regretter. Hein. Je la trouve vraiment moins bien. De toute façon, une fois améliorée, je ne m'en servirai plus. Hein. Ouais, bah là... Là, j'ai que des regrets. Hein. Sinon, il y a le lance-roquette là. Ouais, sinon, c'est vrai que je peux sortir. Merde, je l'ai plus. Ah oui, je l'ai changé par le lanceur. Attends. Il y a quand même ton arme qui est bien alors. Le HK de 2. En mode elle peut faire des trucs là. On sera peut-être au début là après. Il sert. Puis la lure de la map. Là. J'ai pas envie de me rebattre contre le thug là sur la lune. Ça y est. Oh, il faut le rebattre encore? Ah, je savais plus. Non, mais tu peux encore. Tu peux le refaire quoi si tu vas sur le pad. Oh là là, quel enfer. Oh, c'était pas marrant. Hein. C'est GG. C'était pas marrant. C'est parti pour Megaped. Ah. Megaped qui sera assurément la fête. Ah d'accord, ça commence bien. Et du coup, il faut faire quoi pour le battre, Megaped? Bah, lui tirer dessus, principalement. Ah, c'est encore avec une arme, une putain d'arme de jet qu'il va falloir que je fasse. On vous tirait dessus. Au lieu de faire semblant pour une fois. Bon, comment ça se fait que tous les tirs le loop? On dirait un sketch. Regardez ça. Non,
aller chercher mon nanotech à Andacour. Mégapolis. Bon, là, c'est la découverte, de toute façon. Pas de panique. Je vais bien tomber là-dedans. Moi, je t'avoue, j'avais plus de misère parfois, c'était de faire tomber ces petits trucs au sol, là. Genre, ça voulait pas le toucher. Effectivement, si j'avais pas acheté votre arme, AD, je serais dans la merde, je crois. Comme quoi, hein. Vous aviez raison, hein. Ah, elle est vraiment cool, hein. Caméra, ça va? Bon, ah, je vais te demander la caméra parce que t'avais l'air d'être quand même un peu malade là, en ce moment. De toute façon, je vais mourir, I'm gonna die. Oh mon dieu, il est super long. Ça va être pif long là. Moi ça va bien marcher, pif. GG. Hop, mon niveau de nanotech a augmenté. Oh, il va bientôt mourir. Ah, il a plus de... Quelle bonne nouvelle. Oh, il lui reste un pixel. Oh, finalement ça va. Oh merde, il y avait un... Ah non, c'est bon, je crois qu'il y avait un checkpoint. Oh non! Quand il meurt, il est pas mort. Oui. Attention. Tu peux tirer pendant que t'es en l'air, comme ça, ça te fait pas l'animation de... Tu jettes ton... Ta toile. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, visez-le! Visez-le! Vous n'êtes pas con! Ah, GG! Attention à la boule! Ah, the wrench, ah oui! Ça m'a rendu ma vie ou je peux aller me faire mettre? Je pense que oui. Ah ouais, ça va. Le crâne pour le bounce, bon, ça va peut-être pas le coup. Bon, ça, ça va. Le défi à la wrench, lui, ça se fait bien. Ah, j'en suis déjà à la manche, je crois. J'allais tester voir ça, si c'est faisable, ce stat-là du jeu. Ouais, ça c'est le délire. Ça c'est marrant. En fait, tu veux le lancer à distance, ta clé aussi. Ouais, c'est vrai. Merci de me rappeler les moves de Ratchet & Clank. Bah, ça peut aider, c'est contre lui en tout cas. Bon, pour ce défi. Oh! Dégage! Je retourne mon BK armé KK. Tiens, allez! Oh merde, les babales! Ma haine! Ça a été. Les babales. Oh!
Oh le dommage pour lui. Ça glisse. On va voir les dégâts qu'il prend lui. Ça va, il prend pas mal de dégâts là. Avec le HK22 là. Tadam. Lancer, ah yes. Ah mais de toute façon je l'ai dans les mains j'imagine. Ouais. C'est combien d'ennemis qui est en tout? 39. Ah, le move de Jack, de Jack 2, il manque. Le quoi? Ah oui, la toupie. Mais je vais plus avoir de balles. Ah oui, bah oui! Effectivement! Ah, et là, je peux faire une prière pour avoir les balles de ce qu'il me faut. Non! Petit enfant. Bah ouais, je peux aller me faire foutre, quoi. Bah oui, c'est ça. Génial, hein. Bah ouais. Bah je vais recharger les autres armes, en fait, j'ai compris, hein. Mais le jeu, il est débile. Quand tu fais ça, tu fais... Je sais pas, tu fais en sorte que ça donne juste les armes du lance... Les munitions du lanceur, en fait, pas autre chose. Comme ça, ça t'évite de juste perdre ton temps. Je trouve ça nul à chier, par contre. Ça, c'était pas bien. Ah merde, on joue à Softlock. Ah merde. Ah non, dites pas ça. Il y a la musique qui se répète en boucle. Et l'image, elle est figée. C'est ce qu'on appelle un Softlock. T'avais sauvegardé il y a longtemps? Ben non, je venais de sauvegarder juste avant, là, justement. Mais je m'attendais pas à Softlock. Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire des bugs de partout? Ben, je faisais pas un bug. Hein. Encore triche. Mais bon, C'est bon, faut mourir. Je vais aller faire le combat, quoi, ça me fait chier. En fait, c'est con de faire encore le lanceur, c'est ça, surtout qu'il est il est vraiment obsolète à ce stade du jeu. Ouais, c'est ça. Bah, après, j'ai la modif électrique, donc pour les petits ennemis de merde, là, ça va, ça les tue bien, les araignées. Vu que ça a tué plusieurs entre elles là. Oh. Bon, c'est bon le jeu à bug ou quoi? Non, il t'en manque un. Ah bah j'ai... Ah bah d'accord, je pensais qu'il y en avait encore. Non, c'est 29. Time challenge. Oh non, non, pas Megaped. Oh, bah 3 minutes. Je pense que tu l'as fait en moins de 3 minutes déjà. Le retour de Megacon. Voilà. Ouais, je me souviens plus ce que ça donne, ça. Ça me fait chier que ça y sorte là. Il était quand même un peu long. Pourquoi juste à faire comme ça? Ouais, le lance-bouboule, faut juste pas jouer avec. Hein. Pas de dégâts. Mais j'adorais cette arme! Si je comprends pas. Ouais, mais là, dans cette version-là, en tout cas, les munitions, tu mets 1000 ans entre chacune. Tu te fais chier, quoi. Et ça fait pas de dégâts. Ah, pour, quand il y a plein d'ennemis, peut-être. Mais là... Entre les gros ennemis. Ou alors, faut alterner d'armes entre chaque tir. Ah, oh, merde, j'en ai... Ah, c'est bon. Eh, j'en ai plus. Ça va être marrant, ça. Bah, en vrai...
Merci Normaniac. Hello. Coucou les Bernards. Les Bernards. Je suis Bernard, c'est moi. C'est moi Bernard. Comment tu vas Bernard? Merci pour le... Attends. 19e mois. Ah déjà. Déjà 19 mois quoi. J'espère que c'est 19 mois de plaisir. Bon, en fait, le seul truc qui est chiant, c'est ça, c'est en fait, c'est ça va être le problème du jeu, j'ai l'impression. Plus que dans le 1, parce que dans le 1, c'était moins... La dimension tir était moins présente, mais c'est que dès que t'as plus tes munes, bah t'es dans la merde et tu sais plus rien faire, quoi. Tu es d'une grosse merdasse, finalement. Voilà. Ouais, la clé, ouais. Bon, cette fois, ça va pas softlock. Bah oh ouais, le nanotech qui a explosé les restes du boss. Ah, et c'est parti pour le... Oh, mais yes. Le impossible challenge déjà. Je l'ai pas fait l'impossible challenge. Non non bah non, j'ai vu la gueule, j'ai vu le prix. C'est quoi, c'est 100 manches? Je sais pas, bah dans le 3 c'est 100 manches là. Mais en vrai ça doit être peut-être un peu moins, genre 50 là. Ah on sait pas, ouais. Oh mais de toute façon ouais je vais pas le faire. Il est déjà 50. Ah mais comment ouais, on change le pas? Bah malheureusement c'est devenu Bernard. Malheureusement Darmaniac, moi ça va bien. Le problème c'est que je vais bientôt couper ce stream parce que je dois partir, mais vraiment. Je dois aller au coiffeur. Je viens de débloquer le casse-boulon là, enfin le box breaker. Ça c'est le plaisir. Je suis pas à la Welchen. Ouais, j'ai pas envie de gaspiller mes balles. Oh ouais, tu casses tout là. Bah c'est bon. Allez. Et ouais, en fait, j'ai fait du backtracking jusqu'à... Bah genre, j'ai récupéré une boulonnade, un nanotech, et j'ai été ensuite... tu vois la première planète, là, le magasin Megacore? Ah. Ouais. Il y avait les Gravity Boots, là, il y avait un petit chemin. Ouais. Et on débloque un item dedans. Ah bon, bah il faudra y aller. C'est important. C'est un bon item. Le boss, c'est pas très dur. Et c'est un très beau item. Bah, je pensais que c'était le cartomatique, bah c'était pas ça. C'est une nouvelle clé, voilà. Oh. Non. Hop, save. Ouais, je vais me faire débroussailler la caboche, exactement. Vous n'allez plus me reconnaître. Hein. Au stream de demain, là, vous me reconnaîtrez plus. Hein. Stream de demain dans lequel nous allons terminer, bien sûr, 10 years after. Bien sûr. Après, t'avais pas dit que demain t'étais pas là? Ah oui, c'est vrai. Ah bah, c'est parce que je dois aller faire des courses, mais si on revient assez vite. Après, c'est sûr que ouais, si je reviens et qu'il y a déjà une heure du mat, bah, ce sera vendredi. Quoi. Ouais, vendredi, je finis très tôt. Donc. Genre à 22h, je suis déjà là. Quoi, vendredi, Ouais, donc. Tranquille. On sera tranquille pour faire ça vendredi, puis bah samedi on va sûrement commencer. Bah en fait quand on aura fini le hack, on va pouvoir commencer cash. Rico. Ah mais c'est bon. Bah ça va, c'est fini. C'était dimanche. T'es que le 10. Ah, non c'est pas fini. C'est pas fini. Vous ah mentez. C'est bon. Vous mentez. On peut plus plaisanter maintenant. Vous êtes un menteur. Doublé d'involure. Je suis Sly Cooper. Ouais, le problème c'est que je sais pas combien de temps ça dure là, et puis bah en fait après on débug des super trucs donc. De toute façon c'est juste de l'argent la récompense, c'est bah ça va, c'est pas. Bah c'est un skill point aussi. 200 000, ouais. Mais c'est ça, c'est oui. 200 000, imagine à ce stade là du jeu 200 000, t'es vraiment bien, tu peux acheter vraiment. Bah tu peux tout acheter. Sauf le tent quoi. Ouais, toujours. Ah d'ailleurs le telt on peut l'acheter que sur le... chez les... De toute façon je vais mourir de pef parce que mon Némésis, les boules, vont m'avoir. Et mon Némésis, les boules. Les balls. Ouais le telt c'est obligé d'être chez les motards du désert, faut l'acheter. Il est pas dans la boutique là.
C'est que je regarde niveau boulonnade. 1 sur 2. 1, 2 sur 2. 2 sur 2. Sur 2. 1. 3. 2. Allez-y, allez-y, continue. Pas semblant. Ouais. Ouais, niveau boulonnade, on a quasi tout, quoi. Y'a tout beau. Ouais, ça, ça va. Moi, en tout cas. Les balls. Exactement, c'est mon préféré. Tobo et Ouzla, là. Je sais pas. Il y en a pas un autre. Mon dieu. J'adore la tortue. Si je pouvais level up, ce serait incroyable. Ah, il manque Adobo et Ouzla. Je sais pas où ils sont. Vous m'épèvez, là. Non, mon Nemesis. Oh, Nang. C'est terrible. Ah, de toute façon, t'aurais jamais eu le temps de finir. C'est terrible. C'est combien? Ah, vous avez pas regardé. Ah non, je sais pas. Je peux regarder si tu veux. Je suis curieux quand même, oui. Attends, ouais. Ah oui, mais tu ressors de ce côté-là à chaque fois. Donc pour avoir la boulonnade, faudra que je refasse tout le parcours entier. Je sais que ça va foutre, quoi. Ouais. De toute façon, faut le faire qu'à la clé. De toute façon, c'est ça, il faut que j'y aille, là, il est 55. Je vais nourrir les chauds. Nourrir les chauds, faire mes affaires, me rincer un peu la tête. Ah oui, je la vois, la boulonnade, en plus. Ok. Me rincer un peu la tête, aussi. Histoire d'avoir les cheveux mouillés, parce que c'est plus facile de couper les cheveux quand ils sont mouillés. Et tu fais pas un shampoing quand il va, de toute façon? Bah, il y a pas. Ah bon? Il y en a pas. Ah. À ce coiffeur-là, il y en a pas. Bon, donc, je vais juste me les... C'est ça. Me les... Bah, me les rincer, parce que je les ai lavés ce matin, là, déjà. Je vais juste les rincer. Bon, on a réussi à tout upgrade. Alors, c'est 60. Ah, j'aurais fait le tiers, alors. Donc, c'est là-haut. Visiblement, on l'a vu, nous l'avons vu, nous l'avons vu. Est-ce par ici? Non. Est-ce par ouais, là? Ça laisse tomber pour le faire tant qu'il te manque certaines armes, quoi. Ça a l'air d'être vraiment par là. C'est où? Ça a l'air d'être là. C'est là. C'est juste là, je l'ai vu, hein. On l'a vu à la caméra, c'est ce truc-là. Attends. Comment tu l'as, la boulonnade? La boulonnade, ah, celle que t'as, c'est au niveau de la deuxième tourelle. Ok. Et t'as pas une nanotech non plus, je suppose? Non. C'est pour ça. Nanotech, c'était au début. Donc là, t'as la boulonnade qui va être à ta droite, là. Enfin, après le petit couloir, là. Ça, donc, non. Non, c'est, bah, c'est derrière toi. Enfin, je sais pas si tu vois au loin, là, il y a une plateforme. Tu peux y aller avec le swinger. C'est con, bah oui. En plus, le pire, c'est que je l'avais vu. Ah bah d'accord, bah super, hein. Bah t'actives pas, en fait. C'est pas obligé, après tout, c'est à la flemme, ouais, c'est bah, sûr. Je peux montrer où est Nanotech, au moins. Ouais. Nanotech, c'est, tu vois, t'as une dynamo là juste avant la porte à droite. Avant la porte. Oh bordel de merde. Ah ouais, voilà. Et c'est un truc contre la montre là. T'as une porte à l'intérieur là où faut se dépêcher d'y aller. Une porte à l'intérieur. Ah, tu sais, au niveau de l'autre dynamo là, tu fais continuer le chemin comme si t'allais à l'arène. Ok. En montant là. Non, c'est derrière toi. Ah. Bon, ça va. Ça va, le temps était vraiment super large. Hein. Oui. Surtout avec les potes.
Et la dernière boulonnade, bah tu l'as vu avec le lévitateur, je crois. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, ça sera au bout du parcours. Comme ça, on aura au moins fait le 100% de ce niveau. Ouais, c'est vraiment... il faut qu'il ait envie, hein. Pas facile, parfois. Bon, ah, bah, on va un peu grind XP du bounce. Peut-être que c'est en amélioré qu'il est craqué, hein. Mais j'ai vraiment un souvenir d'avoir fait ça. Ouais, d'avoir adoré cette arme. Peut-être dans le 3, encore une fois. Non, j'ai vraiment un souvenir du jeu, celle-là. Ouais, l'arme est cool, mais là, on fait 0 dégâts, quoi. C'est un peu lamentable. Surtout vu son prix, c'est sûr qu'on se pouvait s'attendre à quelque chose de mieux. Hein. Parce qu'elle coûte vla cher, en plus, hein, quand même. Bah, 100 000, c'est beaucoup, oui. Ouais, ouais. Voilà. Après, elle va pas être en retard pour la boulonnade. Hein. Ouais, bah surtout si je fais ce genre de truc-là. Hein. Ouais, allez te presser, de toute façon, tu vas faire des bêtises. Ouais, mais ça devrait être court. Le lévitateur, c'est super court comme parcours, donc... Ouais, mais il faut y aller jusque là-bas. Ouais, bah ça va, les ennemis sont morts. Parce que sinon, si je reload, ils vont être revenus et ça va me faire chier. Là, les ennemis sont morts, au moins, il y a genre personne. C'est juste un petit parcours à faire. Ouais. C'est vrai. Après, t'as le truc en dynamo, là, de parcours. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Oh, j'avais oublié ça. Oh, j'avais oublié ce truc-là. Ah non, mais c'est bon. Ah, ça t'emmène directement, c'est pas vrai, ouais. Ah, c'est bien foutu, ça. Ça, c'est bien, ça. Mais du coup, effectivement, ça part. Oh, ouais, regarde, le parcours, il est déjà fini. Et hop. Donc c'est au niveau de... Bah, la tour juste à côté. C'est le pilier juste à ta gauche. Ah merde, c'était le mauvais. C'est con. Ah bah... Voilà. Je l'ai eu. Ça m'a donné un erreur. Ah, t'as eu tous les boulonnades. Ouais. Ah et par contre, pour revenir... il va falloir que je... Est-ce qu'on s'en resserre de ce truc? Non, plus tard, oui. J'imagine que oui, hein, tel élément. Bah, par contre, c'est pas... Eh, c'est chiant. Hein. Je sais pourquoi la première fois, j'ai eu plus de facilité à le faire. Hop. Faut pas trop appuyer sur croix, en fait. Faut garder un peu de fiou. Plus d'un côté, quoi. J'aime bien comment ça s'appelle un continue point et pas un checkpoint aussi. C'est drôle, ça. C'est en français, checkpoint. 58. C'est pas en anglais. Eh ben, encore une fois, le compte, il était pas bon. Hein. Comme quoi. Change pas une équipe qui gagne, hein. Change pas un compteur qui marre de merde. Bon, c'est ça, il reste plus que ce qu'elle a amélioré. Donc en vrai, il faudrait que j'en achète une autre. Surtout que j'ai 158 000. Faudrait que j'en achète une autre histoire d'avoir un petit peu de variété dans mes... Bah écoute, la prochaine planète, on va regarder, on verra bien. Bah ça devrait pas changer ce qu'ils vendent normalement. Bah normalement, ouais. Si t'y es déjà allé. Il y a le plasma plus un autre truc là, le... Je sais plus trop quoi là. Bah, en vrai, le plasma, il me fait envie, moi. Puis en plus, comme ça, j'achète les plus chers direct, comme ça j'en suis débarrassé. Oui. Puis de toute façon, si je gagne l'impossible challenge, bah je pourrais acheter quand même les autres. Parce que plasma, j'ai quand même un souvenir que plasma c'est cool, donc je pense que je vais acheter le plasma. L'impossible challenge, j'ai une arme en tête qu'il faudrait attendre avant. Hein. Parce que si t'as pas de régène de vie, ça peut être chiant. Oh merde! C'est humiliant ça. C'était ridicule. Allez, oh! Je vous permets. Bon, t'as été... Ah oui, mais il y a l'objet dans la première planète du jeu qui pourrait être cool. Oui, mais... Enfin, c'est du bonus après, mais... Bon, je pourrais essayer de te le rappeler la prochaine fois, s'il faut. Ah, ça dure 2 secondes, n'est-ce pas? Oh...
C'est pas long, mais bon, ça... Okay. 5 minutes, quoi. Ouais, bon, tant pis. Mais au pire, c'est ça. Quand on va redémarrer, je vais être là, je vais dire, qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, il fallait retourner au Megacorp. Voilà, je m'en souviendrai, je m'en souviendrai. Bien sûr. Bah, tu vois, c'est la grosse zone, là, la grosse, le grand rond en haut de la main. Bah, de toute façon, c'est, tu prends le TP, tu vois. C'est juste à gauche du couloir, là. Oh. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord. C'est un blast. Attends, c'est lui qui m'a fait softlock d'ailleurs. Oui, ça enlève bien de la vie quand même. Voilà, t'as juste là à le tuer et puis après c'est bon. Ouais, il est quand même... Mais la caméra, est-ce qu'elle peut être pire que ça, s'il vous plaît, la caméra? En mode, je vois encore moins où je peux aller. Oh, parce que je demande, hein, si c'est possible d'être pire, vraiment, je le prends, hein. Dites-le, quoi. Ouais, voilà, dites-le tout de suite. C'est quoi. Tout, hein. Ah bah d'accord, oui, par contre... J'ai compris. Ah oui. J'ai compris, j'ai compris. Du coup, bienvenue dans ce speedrun. Bonjour. Mon cher Zaldo va nous démontrer un grand skill sur ce boss là maintenant. Vous voyez à quel point le skill est grand ici, à quel point c'est difficile. Alors l'exé quand même. Ouais, le boss en lui-même il fait pas mal, c'est plus bah tu peux mourir si tu tombes quoi. Ah ça va. Il m'a même pas touché. Ça va, j'ai remarqué qu'il enlève que très peu de vie finalement. Donc, pas grave. Surtout, il fait ça donc, pendant 10 ans. Donc, Faudrait refaire le glider tantôt pour. Je regarderai une solution. Hein. Je trouvais pas où c'était. Ah ouais, non, ça a pas marché. Je pensais que ça marchait de... ouais, d'arnaquer, c'est pas grave. Mais ouais, ça peut donner l'XP du boss, quoi. C'est le box breaker. Ah, je peux casser les boîtes de loin. Oui, ça c'est cool. Puis t'as un skill point de tout casser dans le magasin, donc j'ai fait ça en même temps, mais bon. Ouais, mais non, là, non. C'est un truc qui se fait au pire automatiquement du gameplay. Ouais, ça là. Par contre, le TP, il est sûrement là. Bah, après, c'est juste au-dessus, là, avec la dynamo. Par contre, avec ça, là, tu rentres dans les planètes, là, de genre tu vas à Dobo, tu casses toutes les lampes. Attends, ça marche comment? Ah, tu fais une attaque sautée. Ah oui, d'accord, ça casse de loin. Ok, on va de très loin, même. Très sympa, moi j'aime beaucoup. Bon, voilà. On va pouvoir tuer des touristes la prochaine fois. Évidemment, hein, bien sûr. Donc moi, je nourris, je me rince et je pars. Je pars, je dois partir, yes. Très vite. On se reverra tout à l'heure, bah peut-être. Là. Mais à mon avis, oui, je devrais pouvoir revenir tout à l'heure, mais peut-être pas très longtemps. Hein. Je travaille demain, je commence tôt. Oui, t'inquiète. Donc peut-être une heure, là, mais... Hein. Puis dans la semaine prochaine pour Ratchet, je suppose. Oui, bien sûr. Processus Ratchet, la semaine prochaine, bah... Demain soir, j'ai mon horaire, donc... si c'est encore les mêmes jours, bah c'est super, hein, parce que ça veut dire que je vais pouvoir juste... Bon, on va juste pouvoir faire encore la même, voilà, faire comme d'hab, quoi. Moi, j'aime bien cet horaire-là, vraiment, ça me fait vraiment plaisir, donc si je peux continuer à l'avoir, vraiment, mon plaisir n'en sera que plus décuplé, voilà. Au revoir, bien sûr. Au revoir le stream également, hein. Merci. Vous étiez plus que d'habitude aujourd'hui, ça a été étonnant. Voilà, merci à vous. Au revoir. Au revoir. On se revoit ce soir, Wizard, t'es capté, dans une heure.